manque combien de succès? Je vais aller dans des endroits de la map, personne va voir. Toujours à 34 sur 41? Non. Suis pas à 34 là. 1, 2, 3, 4, C'était 5, trop difficile. 6, 7. Ah si, 34. 34 Et succès. moi, j'ai trouvé une Ok. strat malade. Bah moi dites-moi ce que vous faites, comme ça je sais. Hop, on va allumer Google avant. Google Tab. J'ai hâte de voir le rework. Le rework. Ok, Dark Souls, c'est bon. Dark Souls Remaster, on finit pas tant que j'ai pas pris une douche. J'ai pris une douche ce matin donc. J'ai pas pris de douche. Enfin, pas ce Enfin, j'en matin, mais prends tout une. à l'heure. J'en prendrai une demain matin. Comme tout le temps en fait. Moi, mes touches maintenant, je le prends le matin. C'est. Le soir, la flemme fait trop. Pour que tu crèves de chaud et que ta douche, elle sert à rien, bon. Un peu con l'histoire. C'est quoi le construction? Site de construction? L'hangar. Non, ouais, c'est la gare. Par contre, l'autre il spawn pas. Ah, si, il a spawné le Alors, con. c'est Quelana que je vais aller T'avais voir. pas C'est fait. Rhea après. Rhea de Torolund. On protège direct le cœur, on protège avant. C'est qu'ici, la dernière fois, on avait bloqué. Ah, je me rappelle, je crois que c'est pas pour on avait mis que des vieux lasers à la fin. Ok, alors là, il faut. Ok, d'accord. Je me rappelle qu'on avait fait Camille que des vieux lasers, c'était tellement puissant. Les violateurs sur cette map sont pas utiles du tout. On va mettre On est à la fin. les lance-missiles. Oh. Bah, ça tombe bien, j'en ai déjà. Ah, il va me passer toute sa thune. Et comme ça. Ah putain, j'arriverai pas à faire ce truc. C'est le glitcher. Un professionnel de la glitch, mais là ça marche pas, dommage. Bon. Ça passe tout. Passe tout, Ouais. passe tout. Tiens, regarde tout cet argent. Oh mon dieu, il a 1200 balles. Attends. Waouh, il se fait ça en 30 minutes. Mais comment fait-il? Toi, c'est ce que je dirais si j'étais très riche. Ah, la mort. Encore. Cette fois, je ne crèverai pas. Je le refais, mais je ne meurs pas cette fois. Voilà. Donc pour Réa, c'est plutôt compliqué. Ah, oh, tu meurs pas ici? Bah. On y va. Oh, attendez, je suis un peu loin de la map, les gars. Qu'est-ce que tu fous là-bas là? Bah fais Et le suicide. dernier, c'est quoi? C'est Ah, c'est Lugan. bon, regarde, je suis en train de revenir. Lugan, ça a toute fin. En plus, sur la map, je suis tellement loin que ça a du mal à l'afficher. Ok. Allez. Nouvelle partie Dark Souls. Tu vas te débrouiller. Salut, je fais que passer Y'a mon Wigum. Yes, Rien. indeed. The Déjà? dark sign Ah bah, c'est qu'elle est morte là. brands the undead. And in this Sorte de vieux land, Harry Potter, putain. What? Comment ça se fait the qu'ici il undead arrive? are corralled and led to the north. J'en pète des bails. Ah. Where they are locked away to Faut await the y a end des of the mouches. world. Tout ce que tu veux, mais il y a des mouches. Il y a des mots encore. Faut lancer la vague de direct. Ah. Tu veux qu'on se This comme ça? is your Oh. fate. C'est faisable. Ah. Il a quitté. On s'en bat les couilles, ça change pas du tout. Ça change rien du tout ma vie. Oulala, il a quitté la Ouais, ils partie. ont perdu 3K, je vais lui qu'il existe. En même temps, on est assez au level, hein. Enfin, surtout toi. Tu commences à être au level. Waouh, je fais 35, j'ai pris 10 niveaux là en journée. Il y a les mouches. Enfin, ça passe, hein. Oh le putain, oui. Ça passe. Il va encore être plus ouais. Ok, là j'étais pour rien. Non, par contre, où tu prends le feu?
focus de ça quoi. Ah, une mule. Attends, j'ai oublié de faire la pub sur mon serveur là. Hop. Où est Twitch? Twitch, tu Allez, es là. Ils sont plus vite. Regarde ce qui arrive. Il y en a encore. Hop, hop. Cool. Discord. Et on fait le focus de moi là. Oh, la plus grosse pute, il m'a éjecté dans le. Ah, mais pareil. Ah, je suis. Il m'a pas existé dans le vide, mais je suis totalement bloqué. Ah bah génial. Oh, restart. Hein. Restart, je peux rien faire. Quelle pute. Il a réussi à me couler dans un coin. Direct. De quoi? Tac 3 préparation. Bah, y'a Léo, il s'est pris un coup de poing, il s'est fait éjecter de la map, et y'a moi okay, qui. Je suis bloqué par le mob. Genre, il m'a envoyé dans un endroit qui est pas possible de base. Vas-y. Ah bon? Bizarre. Non, mais... Il nous faut un entier, je sais. Ça, ce que je fais, c'est que je t'écoute, je me rends compte qu'on en fait un entier. Non, mais je voulais un entier. Ah, un entier. C'est pas mal. Ouais, mais parce que vu que la map elle est comptée pour 1 de base, t'as des ressources, t'as moins de ressources que là. Voilà, il meurt. Le mec dit qu'il y en a pas besoin, il y en a pas besoin. Et techniquement les focus les touchent donc Non, ouais, techniquement les focus les couvrent pas assez de dégâts pour le moment. Les gars, j'ai tué le boss de la zone là en deux coups. T'as buté Edwin, ouais. Paix longue. Oh, elle a plus de vie. Oh, le poteur est mort. Here we go. Voilà. On est d'accord là, il passe tout ce même endroit. Vas-y. Je crois qu'il y a, non, il y a deux open. Ah oh, non, il y a deux open. Ah ouais. Ouais, t'as une open à gauche. Ah, les mouches passent là. Oh. Tiens, passe. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I would. Regrettably, I have been that way. Now I must bid. C'est juste qu'on parle en langage truc. Et t'as l'autre dans Star Souls, je comprends rien. Quoi? Non, j'en fous. Hein. Non, bah toi, mais c'est que sur ton stream, pas sûr qu'il comprend rien. Oh, c'est pas grave. Et par contre, vrai que vous testiez, les gars, Nakarama. Nakarama? Nakara. Nakara. Bah alors, si tu parlais. Naraka, voilà. C'est un petit niveau. Non, c'est un putain de gros niveau en plus. Deux. Let's go. Let's go, un mec qui s'y connaît. Bah, enfin, non, à tout moment, c'est un mec comme toi. On est chez père aussi. Il est juste level 50 parce qu'il a tryhard, c'est tout. Bah, j'ai même pas tryhard le jeu. C'est juste parce que je jouais constamment au jeu. Et c'est juste que t'as les DLC. Aussi. Moi j'ai pas m'acheter les DLC, je pense pas. Ils valent pas le coup. Enfin si, c'est vraiment. Si ça vaut le coup, mais pour le peu de temps que je joue au jeu, oui, voilà. On va y jouer là dès qu'on a la platine. Dès qu'on a la platine, c'est fini. Hein. Dès qu'on a la platine, c'est fini. Dès qu'on a la platine, platine faut pas les DLC. Jouer. Ouais, tu peux platine parce que ça rajoute les DLC. Enfin, ça rajoute 5 succès les DLC. Si t'as les DLC, si tu les as pas, genre t'as 50. Ah, ils ont fait ça comme ça? C'est bien. Ouais, c'est trop bien. Parce que moi je sais par exemple, c'est Conan Exil, ils ont pas fait comme ça. Ouais, Conan Exil, non. T'as les DLC. T'as 20 DLC en plus. Enfin, 20 succès en plus. Ah, non. C'est 6. 6, mais tu les as de base. Donc tu peux pas platine le jeu. Alors que tu la platines. Là, le jeu, moi, je trouve que c'est quand même mieux comme ça parce que les DLC. Parce que, en fait, de base, t'as les DLC, t'as les succès du jeu et après t'as les succès des DLC. Donc, en fait, ça paraît très logique. Ça te rajoute 5 succès en plus, entre guillemets, là. Et du coup, ça te rajoute un peu plus de contenu.
que là, si t'es obligé de, d'acheter les DLC pour finir le jeu, excuse-moi, hein, c'est là tu payes pour finir, c'est pas ouf. C'est pas fifou comme on dit dans le métier. Non, dans le métier, de là. Oh putain! Pourquoi le mec crie au putain? J'ai tombé comme une merde. Ah merde, quel con. Yeah, j'ai fait un gros saut dans le vide comme un con. Sur-tu? Stupide. Ah merde, j'ai pas de saut. Ah MLG, mais le void ça tue. Mais le double saut n'existe pas dans ce jeu, mince. Qui est le double saut dans le jeu? Ouais, mais sur un personnage, wow. Ouais. Non, attends, non, il y a une capa. Non, c'est une capa. Ah bon? Non, il y a un mec aussi qui peut faire un double saut. Ouais, t'as. En fait, tu rajoutes les deux, t'as un double saut, pas tard. Je sais pas si tu peux les rajouter. Les marcheurs, ça va les tankies Faut crever par contre, ouais. Ouais, faut crever à un moment. Par contre, la première zone la platine le jeu que je vais faire, c'est les profondeurs et en même temps. T'as combien de succès là sur le reste? Sur quoi? Sur Dark Souls? Sur Phantom. Ouais. Non, c'est Dark. Bah, sur Phantom, je crois que t'es à 30 et quelques. Ouais, 30, 30. Ouais. Sur Dark Souls, t'en es à 40. T'en as 40? Et ouais, après, ça descend. Merde. Enfin, c'est pas que la première fois que t'es en bien. T'as 34 sur 41. Ah, 34 sur 41. Ouais, et le reste c'est quoi comme succès? Là ce qui me manque comme succès c'est avoir tous les sorts, toutes les pyromancies, wow. C'est le truc de base. Toutes les armes rares, oh, mais c'est le truc abusé. C'est le truc que t'auras dans tous les autres Dark Souls. Mais t'as pas du style renforcé toutes les armes. Putain, y'a 40 merdes et 15, 18 merdes blindées. Hein et y'a. Regarde, je t'avais dit qu'il y avait un autre spawn. Y'a 3 cerveaux qui passent ici. Ah, mais il reste des choses. J'arrive. Quelle est la médolée? Pas ça. Oh la puissance. En vrai, les merdes, je peux me. De l'argent. Oh, qu'elles sont les merdes. Mais non, regarde. Regarde leur entrée tout en haut. Il faut qu'ils fassent le tour complet. Donc, en vrai, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. On est petit coude. Oh, y'a 5 couilles. 5 oui, Quoi? Y'a 5 couilles si tu veux. Trop pustule. Et 5 têtes de bite. Littéralement. Ah, c'est ça le nom. Hein. C'est des grosses têtes. Tu vas appeler ça comment sinon? Bah, moi, pour, à part appeler ça des têtes de chibre, je suis désolé. Si vous avez la photo sous les yeux, vous dites la même chose que nous. Là, y a pas d'avoir d'esprit mal placé, c'est mal placé de base. De quoi? Quel mob a une tête de chibre? Tous les mobs ont des têtes de chibre. Non, mais là, dans le jeu. Ils ont tous des têtes de chibre. Non, non, ça passe, j'ai besoin ouais, de. Ouais, j'ai vu les miens, ça passe. Hein. C'est plus l'absorbeur qui a une tête de chibre, les autres non? Non! Non, y a des. Il y en a vraiment! Attends, au pire, bah, je vais te buter donc y a pas screen, mais. C'est une marque. Je sais plus comment il s'appelle. Grosse tête, marque grosse tête. Marque grosse tête, grosse tête sans tout. Mob, tu vas voir c'est quoi. Ah, les grosses têtes! Ouais, c'est bon, je vois c'est quoi. C'est bon, il a l'image. Mais par où il vient ce boss? En vrai, non, ça va, hein, il. Par en haut. Il arrive pas à passer ce problème. Parce qu'ils sont pétés à la fin par. Oh putain, je l'ai envoyé voler celui-là. Alors regarde, les petites chibres. Il y a encore des chibres. Je savais pas qu'il y en avait encore. Il y en avait 5. Donc il y en a 2. Bah. What the fuck, on peut pas le taper juste après. En plus à la fin il devient bleu comme si c'est trop utilisé. Oh non, à quel moment. Vous avez vaincu. Le problème c'est dans ce jeu c'est que t'as raison quand tu le dis et c'est dégueulasse quand même. Et en plus y'en a 5 encore là, c'est trop. Y'a 3 rhinos par contre, y'a 6 rhinos, attends. 6.
Cyrino, il y aura un tank et ouais, il y a 16 marcheurs. Et 3 mouches. Bon, autant les mouches, on s'en branle. Le chat il est rentré, il miaule déjà. Miaou, miaou. Ah. T'es passé pile devant. Hein. C'est pas voulu, j'ai fait un petit peu. Hop. Ah bah j'ai fait. Donne-moi ce que t'as. C'est bah, je... on a tout mis à un endroit, tout passe pas. Que des focus. Bah, par contre, pour des points, on va faire un ça. Ouais, ouais, bah. Mais le dernier. Hop! Parois des morts vivants. C'est good. Ça, tu vois que les zones se rejoignent tous et bon, tu perds pas de go, hein. Ah, c'est à toi, il y a quoi? T'as un cuirass si tu veux, je me recharge. Il y a un blindé comme je les appelle. Il est blindé. Il y a les têtes de. Ouais, voilà. 56 000, hein. Si, on va écrire un message pour les gens. Faiblesse. Ouais, le rhino est tellement rapide, il est déjà passé. Tout le rhino qu'il a. Ah oui, c'est mais bon. Il... Anatomie... normal, hein, il soit rapide. Il court. Postérieur. Ah, je veux juste des attaques qui couraient. Je sais que c'était rapide, mais pas à ce point-là. Le problème, c'est que quand ils te chargent dessus, même s'ils font pas fait exprès, ils font mal. Ils font extrêmement mal, c'est des gros dégâts. Même plus one shot, comme ça. En somme, ouais. Du coup, à chaque fois, t'as pris les esquives ou leur tirer là-dessus pour ralentir. Et souvent tu leur tires dessus et après tu meurs. Ça passe hein. Ah ouais? Ouais. Ah. J'ai crevé moi, mais putain les gros. C'est passé. Oh bah ça va. Ah oh, putain ils ont tout l'argent en plus. Ouais c'est ça le problème, je te dis ça passe. Je rigole pas quand ça passe. Là il est, là il est, là il est. Ah parfait. Meilleur timing. Niveau 3, ouais. Blindé, blindé. Un blindé lourd. Allez. La tête de bite. Go focus le cul. Quoi? La tête de bite? C'est qui la tête de bite? Bah, toujours le même, hein. C'est pas bougé. Gelsox? Ok. Je vais t'enculer. Bah, vas-y, je t'attends. Hein? Oui, je suis pas gay, frère. Ah bah, je vais t'enculer dans le jeu vidéo. Je toucherai de loin. En fait, la tête de bite, elle peut passer parce que. Les focus ne touchent pas leur tête. Ouais. Mais ça fait toujours des dégâts, mais ça fait moins de dégâts. Oh, par contre, oh, y'a un boss. Y'a la reine blindée. Voilà, on va l'avoir dans le cul, ça. Y'a deux guerriers, y'a 24 victimes. Le boss, c'est la reine des blindés? Oula. Ouais. Mais on est pas à la dernière vague. C'est quoi votre map? Tiens, un meilleur missile ici. Ouais. Comme ça, ça va niquer les hurleurs. C'est gare station 3. Train station. Le problème c'est que elle va popper et elle va faire un tout droit juste après avoir fait le virage. Ah non, elle monte. Non, elle passe au-dessus, elle, arrive là, elle redescend là. Ah non, en fait c'est bon. Je vais la focus. Oh, les Ludic et Sarah sont. Combien? 300k seulement? 300k, mais elle peut tout détruire. Fais gaffe son rayon one shot. Je m'en doute. Moi, ouais. Je réglé. Là, ça a une tête de. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. Ah, est hyper chiant de toucher. Ouais, parce qu'il faut toucher entre les pattes, c'est ça le pire. Yeah. Horrible. S'il faut toucher entre les pattes. Attention, on va tirer. Pas s'en approcher. Hein. Ouais, je sais, je sais. Attention, attention, ah. Marcheur. Elle a arrêté. What? Vas-y, tire. Elle est petite. Elle a tiré, elle a tiré. J'ai un guerrier à la full life chez moi. Ah, je suis passé. Oh, voilà. Attention, il tire. Je pensais. Putain, il est mort. Alors, je vais l'avoir dans le cul parce qu'il y a l'autre qui est mort. Il s'est fait exploser la gueule par l'arène, hein, je vais pas te mentir. Il a pas tenu deux secondes après la première explosion. Hein. Quel noob. Je suis mort. Putain. Alors, oui, je veux bien qu'on me laisse tout seul à des moments. Mais vous êtes sûr à ce moment-là? Putain, du guerrier marcheur. Il y a un guerrier marcheur qui a full life. Ah ouais, putain. Je vais l'avoir dans le cul. Il est où? Il est là-bas. 74! Oh non! Ah ouais. Attends, ils vont être stun.
Merde, tu m'as volé qui s'est fermé, putain. Ah, tu l'as one shot. Je vais le rouvrir. Bah, heureusement que je fais des dégâts. Imagine si j'en fais pas. Parce que le problème, c'est quand l'autre te péta, ça va arriver. Alors, je te tire dessus, mais tu focus quand même le cœur. Je vais t'enculer. Ça va, limite dash, limite dash. Allez, pas mid dash du tout. Oh, je suis bête. Faut que tu fonces. Je perds un, j'ai plus de balles. Allez! Ça recharge pas assez vite. Ah ça y est, ils l'ont touché. Ils touchent. Ok, ça me laissera le temps de recharger, je crois. Ça leur fait combien de dégâts? J'ai fait mal. Un cas par seconde. Non, 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 putain, je suis mort. Je vais prendre le coup, il m'a reçu. Le laser. En plus, ça les ralentit. Eh, sale pute. Regarde comment ça vient siffle. Elle siffle, mais ça sera un petit peu assez. J'ai juste un gaffe que focus pas l'étoile. Non, faut qu'elle focus moi. C'est bon, voilà. Attention, attention. Okay. C'est bon. Sa vie elle fond. Hein. Parfait, l'effet là s'arrêter. Voilà. Elle est morte. Trop bien. Let's go. Le cœur il a perdu même pas la moitié de sa vie. Oh là là. Ça va, vous êtes bien là. Je pensais qu'il avait pris plus. C'était fin de la chaîne, fin de la chaîne, fin d'un moment si sympathique. Vous voyez quoi? Un hit, hit. Ah. Merde, j'ai donné toute ma thune à lui. À rien près, j'améliore rien. C'est très comme ça. Au moins, vas-y, il pose ce qu'il veut, frère. Ah, il améliore un plus que toi. Ça sert un peu à rien, il a déjà vu la taille du raid. La portée elle est énorme. Je vois mais un augmenteur de portée avec ce salon. Un blindé, ah, il y a la bouche sous. Il y a deux blindés, non, il y a trois blindés, deux flotteurs. Ah, il y a que des petites merdes par contre. Non, il y a trois blindés, ouais. Plein de petites merdes à la con. Ouais, par contre, on va s'occuper des merdes parce que ça va être casse-couille. Ouais. Faut absolument que je bloque ma porte. Merde, on a pas mis les tourelles par. Sélection du plus haut en vie. C'est pas grave. Oh, le premier blindé il passe. Déjà? Putain. Ouais. Ah, je me shoot pas. Sale pute de bouche. Ah, ça t'en bouge un coup le voleur d'habitude, c'est toi qui le fais. Là, je le bute. Non. D'ailleurs, tu m'as promis quelque chose, Lucas, t'as intérêt à au moins le faire aujourd'hui. C'était quoi la promesse? De battre, d'aller attaquer un joueur dans son propre monde. Ah, oui, c'est vrai. Bah, je le ferai une fois que j'aurai platine le jeu. Ah, flotteur de mes couilles! Ah, ça fait mal. Ah, oui, les flotteurs ils font pas dans la dentelle. Hein. Ah, déjà, j'avais pas toute ma vie, alors si en plus il fait ultra mal. Deuxième blindé, plus un flotteur derrière moi. J'ai que des merdes. J'ai que des merdes. Tiens, bouffe. Flotteur, il a tout. Voilà. Un flotteur m'en parle plus, lui aussi. Dernier blindé, il est là-bas. C'est hein? Le dernier mob. Putain. Vite des dégâts après. Il va s'engager sur le pire pour faire qu'il aura joué. Et voilà, démon capra tué. Oh. Voilà pourquoi je déteste cette map. Le cœur il a pris 100 dégâts. Le démon qu'après il est super simple si on une fois qu'on l'a compris. Un peu qui fait plus de dégâts.
Alia, regardez ma technique de rap pour buter. Attends, du coup t'as un coupé plus plus, c'est ça? Ouais, plus plus. Et là, quasiment tout le one shot. Normal. Ah, 60. 30 milliards. Ah bordel, ça va être trop chiant. Ça va être sur un... Il passera pas, il passera pas. Faut focus les rhinos direct. Il y a un rhino là qui passe. Ah, les rhinos, hein. C'est pas simple, hein, ça tourne. What? La musique elle est folle là. Hein. Je sais si ça passe. Ouais. Voilà. Parfait, il est mort. J'ai enculé le rapide. T'es tombé. Ah merde, t'as crash. Ah ça me fait le même truc. T'as crashé? Ça m'a kick comme toi. Ah ça m'a. T'as fait comme moi. Au revoir, je suis combien ce midi? Et à 4h? Bon. Moi je suis pas en train de voir. Ah j'adore Steam. On va recommencer mais on va mettre un assez ACP parce que bon. Ça va être quel con. Vous avez perdu ou pas? Oui. Bah l'autre est parti. Ah mais il a cru que je quittais parce que j'aimais pas ou quoi frère, il est trop con. Ah, putain. Mince. Alors comment t'as fait pour truc? Avec, De quoi? J'ai redémarré Steam. Tu fais crasher Steam et tu le relances. Ça, je sais plus. Ça, tout le monde le sait faire quand t'allumes le PC, t'allumes Steam, t'as un mode. Fils de Villard, j'entends. Hein. Tu vois, moi, je l'entends pas. Hein. Frère, c'est toi le plus proche que moi et. C'est aucunement logique que j'entendais pas. Hein. Enfin, moi, j'entends bien que ça pète. Ah, je coucherai à 23. Ah merde, mais en fait, je suis vraiment con. On peut aller au démon capra plus vite. Et bah ça marche pas, ça m'a pas reconnu. Bah si ça marche pas tu relances ton PC directement, ça va marcher. Ouais j'ai refait ça. Bon on a dit que ta mère Steam. Ah y a des bourrasques devant, je regarde si ma porte ne tombe pas. Enfin, elle tombe pas. Si elle claque, c'est la fin. C'est la mort si elle claque. Je crois que c'est dans Bloodborne. Ils ont tu vois il y a un casque qui est un peu plus grand que le normal et du coup quand tu es sur les échelles tu vois ça traverse les échelles. Et bah eux ce qu'ils ont fait pour régler ce problème c'est qu'ils ont créé une physique donc ça va rebondir sur l'échelle. Et en plus de ça, en plus de rebondir, ils ont mis un petit bruit du clac 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 clac.
Du coup, quand tu descends les échelles rapidement, c'est horrible. Est-ce que vous allez bien? Bah, mon cul, non? Mon cul ne va pas très bien, monsieur. C'est parfait, ça me. Je sais pas, hein. Pourquoi ça me fout ma gueule de rien? Est-ce que je peux te rejoindre? Normalement, oui. Je te vois même pas sur. Sur Steam, c'est mis déconnecté normalement. Ça a bugué. Ah. Bon, ça veut dire déconnecter mon compte et reconnecter moi, c'est ça que ça veut dire. Ouais, pour se connecter, c'est un peu galère, mais. Oh, ça c'est galère. Bah, j'ai un mot de passe. Moi j'ai galéré. Ah, mon mot de passe, le problème c'est que je ne connais pas. Très simplement parce que mon boss a trop de caractères pour que je le connaisse. Est-ce que tu peux retenir un mot de passe à plus de 14 caractères? Excuse-moi, mais. Je vais retenir mon code de carte bancaire à ce point-là. Mais pourquoi il est si long ton code Steam? Parce que. C'est pas faire sur Steam. Pas du tout. Mec, parce que je protège mon compte Steam. C'est ça. Normalement, avec Steam Guard, c'est quasiment impossible, sauf si tu donnes les codes au mec. Putain, il m'a reconnecté, fils de pute. Tu vois, je te dis, c'est complètement buggy. Bon, bah, tu pourrais marcher. Je sais que ça va. Normalement, logique là. On va partir. Et je suis invité à. Pourquoi il m'a invité? Je me fais inviter à des festivals à la. Hop, acheter un objet. Ça ne me rejoint pas du tout, c'est génial. Ah, j'ai plus de thunes. Merde. Bon, c'est pas grave. Si je peux. Essaye. Parfait. J'ai rien dit, on entend quand même le feu d'artifice ici. Ah voilà, ferme ta gueule. Mais on l'entend à peine. T'entends juste qu'il y a des vibrations dans l'air, c'est tout. Enfin, si on peut dire ça. De type un certain Antoine dans une certaine conversation. Did I not explain who are you by the looks of you? You look all times a grim, don't you dare? You might. Okay. Hello there. I am. If. Ah putain. Hello. I realize that I have, but I also want you to hear. Take no. Oh. T'as avancé ou pas? Oui. Ah là, ça marche. Vous savez, quand Antoine il a un appel avec homme 1, homme 2 en train de s'embrasser. Ouais. Oh, c'est le seul truc, je tombe en plein milieu là. J'ouvre ma galerie, je vois ça, je suis en mode ah putain. Ah, c'est vrai. C'est tellement vrai, quoi. Nani. Que nani. Que nani, Jackie. Ils sont encore là. Que nani, Jackie. Oh, miracles, I presume. Yeah. Ok. An undead mission. Regrettably, I can't. But you are my pupil. But I'm afraid. Oh.
Ce connard me m'escroc toutes mes âmes. Tiens, t'aurais assez pour placer un truc comme ça? J'en ai pas du tout. Bon, je peux passer ça. Et bien voilà. Oh. Rhea is the young. I'm a. Rhea is the youngest daughter of the good house of those young knights, but I'm not sure what. I'm afraid they. Je crois que c'est le final du feu d'artifice, j'ai commencé à pète d'affilée. Vous le voyez ou pas, vous? Non, on voit pas. Oh, we need to leave momentarily. The catacombs aren't exactly my idea of a good time, but. Des tirs d'artillerie, ça sent des. Ok, ça c'est bon. Pour ma douce oreille, je préfère entendre des tirs d'artillerie. Quoi? Bah tu sais, au lieu de faire d'artifice, on tire avec des canons d'artillerie. C'est vrai que j'ai le même bruit de toute façon, ça change pas grand chose. Ouah non, c'est un peu plus fort, hein. Un peu plus casse les tympans, ouais. Mais d'où tu passes toi? Je l'ai vu, il est. C'est quoi ce gros machin? Attendez, je reviens. Il y a un gros machin qui a pénétré dans ma chambre. Alors je l'ai pas dit, Lucas est célibataire, cherche femme au 06. Alors il habite ici, on va éviter de donner l'adresse. Hein. Ouais, des données sur l'adresse, parce que ce qui est con, c'est que tu vis sous le même toit. Exactement. Et moi je peux donner l'adresse d'Antoine, de toute façon il est pas là. Ok, pourquoi pas. Hein. De toute façon, il n'y a pas de preuves. Sur les amis, toujours avoir confiance aux amis. Ouais, t'inquiète. Le pire, c'est que limite, tu peux aller chez lui, mais de toute façon, il est pas là, donc bon. Il y a peut-être moyen que ses sœurs viennent, mais. Il faut vraiment que t'es pas de beau pour que ses sœurs viennent. C'est un frelon? Il y a un frelon? Putain. Ouais. Déjà, qu'est-ce qu'il fout là la nuit? Ah ouais, c'est ça le problème, qu'est-ce qu'il fout là la nuit? C'est le frelon le moins utile que j'ai jamais vu. Mais normalement les frelons ils dorment pas la nuit. Si. Ah bon? Sauf s'ils sont excités par quelque chose. Bah apparemment il est très excité. Il y a une mouche qui est passée par contre. Ouais, il y a une mouche, j'ai vu. Ah c'est bon. Oh, on a ta chauve, Michel, t'as vu? C'est la même pastel? Non. Si tu veux, il y a ma bouteille de 7-Up dans la poubelle. Tu voulais foutre dans la bouteille, t'as vu? Il va appeler ton père, il va faire au secours. Tiens, améliore ça. Ouais, attends. T'as vu? Ça. Maintenant il faut améliorer l'ACP. L'ACP. Non putain mais t'es fort. Je vais faire un ACP mais. T'inquiète. Mais t'es devant. Moi je peux pas même si je tourne. Parce que t'es là. Il faudrait que je sois ici si je voulais. Genre ça se passe. Comment il est où? Bah je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens sur le stream? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voir cette médiocrité? Juste que tu frappes un peu le linge. Demain, vous savez, la dernière fois que j'ai vu un frelon, c'était un frelon asiatique, c'était très drôle. Il y a une petite histoire avec un frelon qui s'est mal fini. Pour lui. Ah ouais? Ouais. Il y en a un qui était rentré dans le salon. Mon frère, cette grosse victime, bah il gueule sa race. Et. Moi je suis juste en mode, mais c'est qu'un frelon bâtard. Ce que je fais, je suis vraiment con hein, parce que je prends, tu vois, je prends la mousse et j'en fous plein sur sa gueule. Je fais, à ta fin, on m'a dit que t'avais. Et juste, il est mort asphyxié par le sucre.
Ah, j'ai trouvé le cadavre, je prends la tête et ta mouche, je fais hop, dehors, dégage. D'ailleurs, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il y avait un Nufrelon qui a essayé de se construire à côté de ma cabane. J'étais en mode, bro. Oh, l'odeur! Ah, bah c'est 7 up, frère, il a cru quoi, il est dans là. Ouais, 7 up, c'est très très bon. C'est l'odeur de frelon grillé qui est pas bon. Ouais, bien sûr. N'hésitez pas à goûter du 7 up, c'est du frelon acétique bien cuit. Ouais, c'est bon, moi je suis prêt. Regarde, ouais, t'es prêt pour voir ma mitrailleuse? Vas-y. Moi je fais un peu moins mal, mais. J'ai l'impression pourquoi ils sont 17k eux. J'avoue. Bah, tout à l'heure on était 3. Ah ouais. Ils avaient 20k quand on était tombé à 2. Bah ouais. Non, c'est parce qu'on a lancé à 3 en fait. Ça augmente très peu quand ça y a quelqu'un qui a rejoint. Heureux. Que si quelqu'un tu lances direct. C'était Dark Souls dans la vraie vie là. Ouais, oh. C'est que là cette fois t'as pas le respawn, tu vois. Rhea is the those, but I'm afraid. Quand il existe un peu. Oh non. Rhea is the young, but I'm not. Oh, I'm merde. Afraid. Tu me fous dans la merde. Come again. Quoi? Oh, je me demandais. C'est quoi? J'ai pas lu. Là, oh, it's mais... good to leave momentarily. The catacombs aren't exactly my idea of a good time, but what can one do? Rhea Nox. Where are Nox? Nelly porte conseil, si je me souviens bien. Ah, en plus, y'a personne sur ton site qui savait que. De quoi? What? Y'en a un dans le cœur. Oh, pardon? On va le toucher. Oh, what? Il est mort. Orino. Oh ouais, non mais là on a perdu, frère, il a 500 le cœur. Il y a plus de marge d'erreur possible là en fait. Tiens, il faut 3 coups pour tuer le squelette. Et le mec il faisait 40 fois plus de dégâts, il est con. C'est donc ça l'intelligence d'un mob. Ah bah c'est redoutable. C'est redoutable. C'est redoutablement débile, ce mec. Oh non, pas celui-là. On va tenter, mais moi la marge d'erreur, je pense qu'elle va être grosse. Petite, tu veux dire du coup, non? En fait, le problème, ce qui fait chier, c'est que vu qu'il était dans le cœur, c'est limite s'il faisait des coups critiques. Du coup, le cœur, on est à 4000 HP. Genre, d'habitude, quand on se fait comme ça, il est à 2007. Ah, j'ai pas vu. Il y a 570. Ah, on est trop de... On n'a pas de marge en fait. On peut se faire taper qu'une fois quoi. On est à combien de vagues déjà? Il y a 10 vagues, on est à la vague 3. Ah, ça va, il y a qui pas parfait. De boss. Il y a le boss, on est forcément niqué. Hein. Si on gère mal le boss, ouais. Non, même le boss en lui-même il va pas toucher, mais le reste des mobs par contre c'est autre chose. J'aurais dû garder l'amélioration de... Le freeze. Ouais. Bah évidemment. Putain, j'arrive pas à le toucher. Salut Captain Rabbit, comment tu vas? Putain. Comment ça va depuis... demi-heure? Oh non, plutôt 2 heures, ouais. Tu peux expliquer l'histoire de Don Frelon, hein? Ouais, attends, on explique après. Gardons un peu de surprise. C'est les gars, c'est comme X-Men, n'hésitez pas. Bon bah parfait. Ah, on récupère le mec qui est avec nous là, il veut pas rejoindre s'il te plaît. Ce serait une petite tête quand même. Il revient à la ville? Non, il revient pas à la ville. Il revient à la mort. Logique, c'est des squelettes, tu veux me dire. Ah, attends, je finis le combat et je t'explique. C'est normal. Pour le bataillon. Ce qui s'est passé, c'est que. Je suis tranquille dans ma chambre. J'ai réussi à glisser. C'est tout. Mais fais avec des plus grosses âmes si t'y arrives. Si t'en as, bien sûr. Bon, bah, du coup, j'ai réussi à tuer Gwen tout à l'heure. Du coup, il est en New Plus Plus. Ouais, je suis en New Plus Plus.
Là, je vais faire ce que j'avais noté sur ma petite feuille. Bec de corbin, c'est un peu de la merde. Réa Torlund, parce que c'est le plus simple et c'est la première que je dois faire, et en plus c'est la plus longue, enfin la plus longue, sa quête est la plus longue. Comme ça je fais ça et je serai tranquille après. Ah merde, ils réapparaissent. Je crois que c'était des archers ici avant. Wow, non, mais poussez pas. C'est beau. Horrible ces mobs. J'adore me faire pousser dans le vide. Je sais plus ce qu'on a là. Ah si, c'est bon. Adieu squelette. Ok, eux deux sont mortes. Rien. T'inquiète, moi j'avais vu un frelon voler. Waouh, c'est normal, le but c'est que ça vole de ce truc. C'est pas. Attends, tu le sais. T'as besoin d'aide? Mais c'était quoi? Il était tout noir et jaune ou quoi? Je sais pas, on a pas vu, il fait tout noir dans la chambre donc. Putain, le mec. C'est gros, ça fait du bruit, il faut le buter. Ah, mais c'est peut-être un scoli. Hein. Bon, c'est pas grave, même si c'est un scoli, il était surexcité. Est-ce que t'as, vous avez déjà vu des frelons? Oui. J'ai déjà vu des frelons, j'ai jamais vu du scoli. Scoli, j'en ai déjà vu un, c'est énorme. Scoli, j'en ai vu un, mais j'étais en mode. Moi j'étais en mode, oh un frelon, ah bah non. Moi je l'ai quand même tué. Vous savez, j'en ai vu un scoli, je me rappelle, c'était cette année. C'était quand? C'était. C'était mardi. C'était quand? C'était un jeudi. Ouais, c'était. Oh bah c'était mon dernier jour de lycée, voilà. D'accord. Dernier jour au lycée, j'étais en mode. Ah, c'est quoi? C'est un frelon, il fait. Non, c'est un scoli, c'est quoi? C'est un scoli, c'est plus gros qu'un frelon, mais c'est plus pacifique. C'est plus gros, c'est pacifique, et en plus, c'est sa vie dans le sud, c'est vous là. Ce qui fait chaud. Plus de ça, ça veut pas ta mort. Et ce mec là, je vous l'ai pas dit, hein, mais ce mec là, j'étais avec les loups, hein, tu vois, quand je suis rentré. Où était jeudi. Ouais. Il était en mode, eh, hey, t'as pas envie de la baiser, j'étais en mode. Oh, non. Là, non, putain, il m'a tué. C'était qui ressemble à lui? Ouais. Avec des une lunette? Des lunettes? Parfois oui, non, mais... Il s'appelle Lucas aussi. Il s'appelle Alexis, non. Et dans ma classe RIP. Mais ah. Il a des lunettes parfois. Il les met pas tout le temps. Ouais, mais c'est pas des lunettes de vue, c'est des lunettes de... Ah, quand même de fatigue. Ouais. De repos. Mais moi, je pourrais les avoir, hein, parce que bon... Mes yeux, voilà, voilà. Comment je dors déjà tous les soirs? Je suis un peu... À moi tout seul, je sais pas comment je pourrais t'éveiller. Non. Je suis vraiment une grosse merde.
Putain, je savais déjà, c'est pas une âme intense. Quel connard. Attention, le rhino il a tapé. Ah. C'est bon. Attention, ça va retaper. J'aime. Ils sont pas la même erreur que tout à l'heure. Il reste des rhinos, ça arrive. Deuxième lampe. Il reste que des rhinos. En fait, ils pouvaient pas courir les rhinos, je sais pas pourquoi, mais. Et non, ils courent pas quand il n'y a pas de personne à côté. Ok. Ouais, de dire ça nous arrange. Il a one shot ce con. Ah il t'a défoncé. Prenez mon argent monsieur. Mon argent. Ah c'est bien. C'est ce que tu fais quand t'es riche. Moi oh, je veux bien t'en tuer une ouais. Quand il y a le fisc qui arrive il dit je récupère. Oh merde. Avec un grand sourire. Il veut juste dire non. C'est la vague où on s'est fait enculer. Non. Vague juste avant. Il y a des merdes. Sprinters. Ouais. Des sales merdes. Le pire, c'est qu'ils ont pas de vie, hein, mais. Ça a pas de vie, mais c'est juste extrêmement rapide et petit. Et du coup, les tourelles, ils focusent pas tout le temps. Moi, j'ai vu un mec qui disait Zelda, c'était mieux que Dark Souls. Là, alors. J'ai envie de dire que non. Ouais, mais ça dépend ce qu'il aime dans Dark Souls et ce qu'il aime pas dans Zelda. Tu veux. S'il dit que c'est mieux Zelda, c'est juste parce qu'il a jamais joué à Dark Souls. Il a jamais joué à Dark Souls. Je suis désolé. C'est juste qu'il en a marre la difficulté. Quand tu bats un boss pour la première fois et que c'est. T'as plus joué qu'une femme que t'as mis enceinte il y a deux jours. Et que ça fait. Quoi, 3 jours que t'es dessus. Comme du style Orc. Excusez-moi, c'est un ami qui m'a dit ça. Tu vois, du style Orkstein et Smooth. En mode j'ai réussi. Je oui, suis non. Surtout, t'es en mode waouh, je fais enfin plus de dégâts, bordel. Oui, j'étais en mode. Non, vraiment, le pire, c'est juste que tu lui faisais pas ces dégâts. Hein. Tu connaissais ce pattern. Hein. Bon, en même temps, force de le faire. Bah ouais. Force de crever devant. C'est ça. Elle a tapé. Ah la pute. Vous allez bien monsieur? J'ai deux lasers qui me transpercent. Et oui. Il y a deux lasers qui lui passent dans le cul là. Là ça me soucie, il y a vraiment un mec de ma classe qui est en mode tu veux pas te taper une meuf t'es sûr? Même une mille. Oh wow. J'étais mort de. Lui c'est mon ref comme toi. C'est juste parce que monsieur vient avec sa meuf. Littéralement. Ok cool, pour lui. C'est bien, t'as un appartement, t'as une meuf, c'est cool. Et. Ah et oui, ouais, voilà, t'as oublié la raison, l'argent, on a pas de problème pour l'argent. Alors là. Très riche. C'est pas de moi, c'est des petites dépenses en mode. Moi récemment, je me suis acheté un petit iPhone 14, d'accord. La meilleure. La griffe plus 10, t'as réussi. Waouh. Moi je dis GGM. Flash en pli. Solo ou avec un joueur? Mais d'où il sort celui-là? Ah! Ouais, trop tard, je te cliquais dans le. J'ai pas tué le mec de la zone. Bon, ça va, c'est une vague de merde. Non! Ouais, c'est pas le plus compliqué. La prochaine, par contre, on va plus en plus. Solo! Moi je dis GG. Moi je dis mérite un sub sur ta chaîne. Bah non, parce que je suis pas affilié. Ah. Mais alors tu lui offres un sub sur une autre chaîne. Et ouais. Non. J'espère que t'as aussi ACB d'ouvert. Non. Ah non, c'est moi, ta CB elle marche pas. Ta CB elle est cassée. Sérieusement? Oh. Le rhino l'a failli me défoncer. Heureusement que je l'ai buté juste avant. Allez, on se pousse le squelette. Ah putain, j'ai oublié de recharger l'arme. Est-ce que tu fais comme moi et tu switches à chaque fois? Oui. Voilà alors. Il faut bien vider le chargeur, c'est ça le problème. À des moments, tu vides pas assez. Oh, le rythme. Mais nous faut le vie. Hein.
attention. Attends, je galère comme un fou sur ces deux là. Alors. Ah, moi faut que je me retienne de lire Shinoko là, j'ai vraiment trop envie. Mais vas-y lis-le, pourquoi tu te retenir? Parce que Madaron elle fait tu les liras quand tu partiras en vacances. J'adore. Y'a plus internet. Je suis en mode, putain c'est quelle raison. Ouais le problème c'est qu'avant, l'endroit où je passais mes vacances, il y avait une sorte de wifi tu vois. Et la commune elle a décidé de ne pas payer le wifi en question. Ah, et du coup se sont désaffiliés et du coup nous on l'a dans le cul. C'est trop le seul. Bah du coup ouais Captain Rabbit c'est... Par la mairie il y a un petit truc et si tu l'avais bah t'annules. C'est la mentalité Dark Souls qu'il faut avoir ça. J'y arrive pas, bon je réessaye. Osef. La mentalité Dark Souls. Bon il faut pas Osef tout le temps Si par exemple tu fais 80 dégâts et que tu fais au moins 500 coups, d'après des calculs mathématiques, pour le tuer. Après des calculs acérés, je dirais. Pas de faire tu dis là, non, je vais améliorer mon arme avant. Ok, un boss vient d'arriver, j'y vais. Le boss est pas. Ah, s'il est déjà là. Putain, c'est pute. Ah, il est là, ok. Bah, tu peux pas vraiment le manquer vu la taille. La taille Tu veux voir la gueule du boss? Non. Bah tu vois, tu prends un corps humain, tu le multiplies par 8 en longueur et ça devrait être bon. Un corps humain moyen européen mais... Merci. Donc il va être loin à foudroyer. Mais après il a le détour. Bah, j'ai des gros guerriers sur mon cul et... J'ai envie de me prendre. Faut aller pas faire de c'est fun. Je vais faire essayer ça passe, mais pas assez de vie. Le guerrier, non, tu tapes pas le guerrier. Faut se laisser tomber tranquillement à ce niveau-là. Ouais, ouais, je vois. La reine, elle est au-dessus, elle a fait la moitié du chemin. Je commence à connaître la map par cœur. C'est horrible. C'est-à-dire que je passe trop de temps à crever et à recommencer. Ok, là, on va s'en occuper. Vas-y, va. De toute façon, faut faire les guerriers en prio parce que c'est les pires. J'ai quand même fait de l'arène, hein. Non, je voulais le pousser. Bon, bah, je l'ai poussé quand même. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, oh, merde qui est passé. Toi. Caméra qui est horrible. Je me demande si la caméra est améliorée dans le 2 et 3. Ou alors si elle reste la même dans le 2 et dans le 3 c'est meilleur. D'accord. Pardon. C'est vrai que... Le mec qui connaît pas la zone. Mais en New Game Plus 1, une zone que je connaissais pas encore. L'Axandrie Grande Carcasse. J'ai tout découvert à la partie d'hier. Hein. À la 3Z hein? Quoi? Comment c'est possible? Pardon? Bah elle fait ça quand? Aucune idée. De quoi vous êtes mort par quoi? On n'est pas mort. Enfin, pas encore. Juste de niquer tout, en fait. Mais j'adore faire ça. Mais elle a pas tiré, c'est moi qui avais le focus. Ouais c'est vrai, c'est des zones cachées. Et en plus faut le savoir qu'il faut aller par là pour pouf tomber bizarrement sur un mec au pif. Vas-y tire. Recule. Donc là si j'ai bien compris je me laisse tomber. Bah là, trop fort, fasses une de dégâts. Alors elle tente de taper, je sais pas combien de fois par contre. Bah en fait c'est tant que je le retarde ses coups à chaque fois, c'est bien. Mais ça n'empêche pas que je fais pas assez de dégâts. Par exemple quand elle fait ça là, tu vois j'ai peur. Ah putain je suis mort. Faut que je tombe mais sans plus. Ça l'ai trouvé. Ah t'es calé maintenant. Mais hop elle se stun. Voilà. Il a perdu combien de coeurs? 100. Elle fait que 100? Ouais. Ça va en fait je peux être là. Non je vais buter avant. Non en fait elle fait 200.
Fais chier. Ouais, c'est bon, il a pas trop perdu. Bon, bah on va réparer ses conneries. Je pense, mais frère, je suis toujours choqué de quand est-ce qu'elle a détruit ça. Hein. Ah ouais, je suis un peu bizarre. J'arrive pas à rejoindre Vamos. Ça me choquerait pas si j'étais devant. Et là, j'étais pas devant. Ouais, bah c'est bizarre. Okay. Okay. Ah, la banque 5. Putain. Oh mon dieu, je crois. Oh, des vidéos. Je crois que je vais overcharger ça. Là il y en a un là. Hop. Ouais. Voilà. T'es tombé bien sûr. Le personnage est un peu con quand même. Il y a le premier blindé qui vient de passer en haut. Premier blindé qui est en train de passer. Non, purée. Passe pas, ça passe pas, ça. Ah, oh, j'arrive pas. Ouais. On va retenter jusqu'à ce que j'y arrive. Parce que là, je pourrais faire le grand tour, mais c'est chiant. Ça passe ou pas? Non, c'est bon. Oh, le stun est ultra critique. Ouais, vraiment. Deuxième blindé, le premier fauteur il arrive. Le premier fauteur il est presque mort. Mort. Il est mort. Le blindé il prend trop cher. Ça touche, ça touche. D'où il sort ce squelette? What the fuck? Ah la bulle de rien. Oh putain, ça fait encore couper. Attends, tu vas bien déjà dans les catacombes là? Ouais, parce que c'est une zone que je peux accéder directement. Bon, j'en ai marre de crever en boucle, je vais faire tout le tour. On prendra les raccourcis plus tard. Pourtant, normalement, le raccourci est prenable. Oh putain, ah, ça va être trop chiant là, avec les rhinos. Je sens plus mes bras à force des couloirs. Putain, j'ai raté tous mes choses. Ah, il est mort, il est mort. Par contre, les macaques qui sont pas morts. Macaques, marcheurs, c'est la même chose. Vie, hein. Ah ouais, j'ai vu. En fait, y'a pas de barre de vie, donc c'est un peu chiant ça va. Tu sais approximativement à quelle couleur tu sais que tu vas mourir. Bah, c'est quand tu vois plus rien. C'est quand tu vois tout blanc, genre de. À partir du moment où tu vois blanc, c'est-à-dire que t'es à un coup de la mort. Sauf si c'est un boss, dans ce cas-là, t'as pas le temps de voir ta vie. Non. Non, t'as pas, putain. Oh, what the fuck. Quoi? Comment c'est possible ce truc? Tu vois, je vais crever juste après la cinématique. Ah mais c'est grâce au pseudo ça. La Luc mais la chance. La chance mais la chance. Là je vais crever. Attention, ça va passer. Personnage peut pas vivre, il a 0 PV. Ouais, ouais. What the fuck. Pardon. Le Rhino l'a pas tapé, c'est bon. Ça c'est possible. D'accord. Y a... Oh putain les cerveaux ils passent par contre. La question c'est est-ce que je peux améliorer direct mon arme ou alors. Celle qui est en KO. Ah ouais, je peux direct l'améliorer. Ouais, ouais, ouais. T'as vu le titanium. Bah, c'est parfait. Bon, bah. Force de tomber dans le vide comme un débile. On est arrivé à Virevent. Putain, les trois os. Les trois cerveaux sont là, fais chier. Premier mort. J'ai dit qu'on était arrivé à Virevent, mais bon.
les roues n'ont pas voulu l'entendre comme ça. C'est pas la partie facile. On est encore dans le cul, c'est ça. Je crois qu'on a fait à peu près la même game que tout à l'heure. Ça me semble passé. Putain, là c'est quoi? En 45, 30. Ah, 5 cerveaux. Tu me passes un. On va, mais avant, on va faire un ASP. Ouais. Vas-y, ma CP. Alors, est-ce qu'elle me voit là-bas? Bah, c'est pour l'améliorer. C'est 200, 250. Book. C'est la première zone où il y a des roues. Le problème de cette vague là, c'est que. C'est la zone la plus simple pour les prévoir. Et après, c'est même pas des petites merdes, c'est des moyennes merdes, ça sert à. Parce que après, dans le monde d'Ariamis, va les prévoir ces roues là. En plus il fait noir, il y a de la boue, et tu les vois pas. Tout pourrait être chiant. Hop, cinématique gervant. Ça passe pas, ok, ça passe. Tu veux de l'aide? Pour le moment ça passe presque pas. What the fuck? J'avais jamais survécu assez pour faire cette attaque. Hurleurs c'est facile, il fait du focus de moi, par contre le reste. C'est lui. Non, c'est pas lui. C'est lui. Voilà. Ça arrive. Puis il est chiant. Pour l'instant j'ai tué que 3 boss avec celui-là. Premier serveur il va se faire défoncer. C'est les boss obligatoires pour aller voir Rhea dans les catacombes. Ok, on arrive sur la partie facile. La partie dite EZ. Tape-moi. Toujours 4 coups. Les observateurs sont beaucoup plus gros. Les observateurs ils passent pas. Bah là on passe. Hop. On va chercher le feu de camp qui est ici. Comme ça si jamais on crève. Ces choses là qui nous aident beaucoup. Wesh. C'est moi ce qui reste pour la fin. J'avais tellement galéré dans cette zone. C'est tout. Mais tout. Ah non, c'est 5 guerriers, c'est 5 guerriers, quoi. Eh, oh, il me pousse, ouais, quel connard. Ouais, je suis passé à 30. Non, tu vois, être override, je sais pas, un truc n'importe qui. Moi, je vais override ça comme un gros porc. Vas-y. Ça va être plus de dégâts. Ouais. Alors là, ça va être un peu plus technique maintenant. Là, par contre, on a Nico et. C'est vrai que. Putain. Les humains font pas de dégâts. C'est un truc qu'on oublie facilement. Bon, il se régène, je me régène. Il faut que j'ouvre des mouches. Là, il y a un guerrier. Ouais, ouais, mes cheveux. Je me fais niquer par les mouches là, je suis obligé de les. Guerrier. Ça arrive, beaucoup de guerriers qui viennent de passer. Il y en a combien, 8 ou 5?
Ça a 8, je crois, dans le jeu. Ah, je vais mourir. Ah. Voilà, parfait. Papa, j'ai besoin de toi. Ouais, bah je m'en doute. Tout le monde a ses mouches, j'arrête de me flinguer. I'm certain that... C'est bon, plus de mouches. J'arrive. Ah. Voilà, elle est reconnaissante du fond du cœur. Ah. Ouais, normalement, maintenant, elle va la retrouver. Il va mourir tout seul. C'est le dernier, je crois. Ouais. Oh oui, on a gagné. Oh. Je suis genou. Bravo. Donc maintenant, Aria se trouve à la paroisse des morts vivants. Et à cet endroit, je pourrais lui acheter ses trucs. Je vais rester totalement sans son HP, c'est génial. Bravo. Non, t'inquiète. Bah, Seth Luck, c'est son pseudo, hein. J'ai envie de te dire, c'est normal. Imagine, je serais mort. Quelle honte. Je meurs de rire. Attends, là j'ai tous les catacombes à refaire marche arrière. Pouf, horrible. Orbe qui pénètre les ennemis. Orbe énergie de tes doigts. Hop, on retourne voir Pat. Pat la bonne foi. C'est très drôle comme. Oh putain. Ta gueule, Ant, c'est ta gueule. Alright, if that's the way it is, you silly little bastard. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Take your higher force and stuff it, you lousy charlatan. Ça sur la route. Main du retour. Oh, Lec, j'ai pas eu mes 2 minutes sur le crâne. Comment je fais déjà pour monter ici? Je suis trop. Ah, par là. Non, là c'est d'où on vient. Saloperie. On monte par là. Putain, je peux pas te le foutre sur le crâne, c'est trop le seul. Allez, avance, avance. Tu veux pas rejoindre le clan des mines sur la tête, c'est sûr. Des mines sur la tête, what the fuck? Non, des mines. Actuellement j'ai une mine sur mon crâne et je vais en caler dessus. Ça marche pas, faut qu'il le fasse lui-même. Bon, lui on va le buter parce qu'il est faible. Regarde, tu prends, tu sur ton crâne. Une fois que tu connais leur pattern, ils sont tellement faibles. C'est trop bien, hein. Mais non, mais à jamais. Bon bah pour la peine je pose hein. Elle pétera sur un putain de mob. Ah mais tu sais. T'es fermé ici? Bah il est tout fermé ici. Donc c'est pas par là. Ah si, là-bas. Non. Je sais plus trop par où c'est. Est-ce que c'est par ici? Trésor. Non, c'est la mort. Ouais, il est en... Ah oui, c'est bon, c'est le jour où on est. On est revenu au début, chez Virevent. C'est bon, vas-y. Ready. Je suis bête parce que du coup faut que je monte par là. Sérieusement. La mine a fait 0 dégâts. Je me suis fait punching ball. Oh, je suis tombé dans le vide, c'est abusé. Bah restart, restart, restart. Ah, le pire début. Voir Lec tomber dans le vide? Non, c'est plutôt drôle, je trouve. Non, tout est dans le vide. J'étais son pool, j'étais sur eux, j'étais leur pute. Voilà ce qui se passe. J'étais leur pute, ils m'ont défoncé. C'est pas déjà ça de base? C'est le mec qui a envoyé pas le perdu. Ouais, bien sûr.
Ah, faut que tu me passes les trucs. J'entends toutes les données. Crève. Et compris, tiens, voilà ma. Voilà mon argent, sale gueux. J'ai compté, il y en a 6 dans cette zone. Un peu con le squelette, mais bon. Ah, il y aurait pile trop d'épaisseur, j'aurais fait un truc. Attends qu'elle revienne. Je passe tout dans des tours de ballard pour rien. Merde. Fils de pute. Alors là, tu vois, quand c'est pas prévu comme ça, on retourne vite voir Vamos. Voilà. Comme ça, si jamais je meurs, je suis ici. Je suis juste à côté. Elle a bugué le squelette ou quoi? Ah non, on devrait me rouler dessus même. Elle a ramassé un truc, c'est quoi? Une mine noire? Ouais. C'est une grosse mine. Bah elle va faire. Elle va péter, tu vois. Déjà. Ok, elle ça va faire c'est comme tous les djihadistes de sa région. Hop. Quoi? Ça va faire beau. Ça fait bim bam. Non, non, cette musique est putain. J'ai hâte de l'avoir explosé. L'avoir le sub, ça va exploser la gueule. Sérieusement, ça lui a fait que 4K, c'est de la merde. Non. Ah. Pour une au moins, il est mort. Était pas un peu d'explosion. D'où elle sortait ce squelette? Non, charge pas. Sale pute. Pute. Bonjour. On va l'avoir dans le cul, encore. Parfait, le serment de mytho maintenant. Non. Putain, non. Ouais, ma vie elle a fondu d'un coup, c'est. Pas que dalle, la caméra. Le problème c'est que quand il y en a et que t'es en train de tirer sur d'autres et que ça devient pas de par derrière, ça fait mal. Ça fait très mal. Alors c'est 30 secondes qu'il faut attendre. On va compter. Non. Là on a 17 minutes. Ça commence 19, un peu vieux, mais... 45. Moi je suis pas sûr. 45 plus 30 secondes ça fait 15. Comme ça. Je pense bah, qu'on oui, commence comme ça. Hein. Comment même lui, c'est défoncé. Oui, frère, c'est pas logique. Tu commences par le cœur en ce moment-là. Hein. C'est très bizarre ce que nous fait le squelette. Je veux bien qu'il condamne une entrée pour bien niquer et qu'il fasse un détour, mais. À la limite, c'était plus rentable de le séparer et de piéger les deux. Ah. C'est bien 15 secondes. Pour mon argent. J'ai disparu. Ce passage il fait beaucoup penser au passage. Y'a plein de mines noires, trop bien. Y'a beaucoup de mines, je vais faire extrêmement le jet. Pour aller. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ça me fait penser beaucoup pour aller tuer. Astel. Y'a juste tout d'un côté, mon gars. Parfait. Plus des mines. Non, celle-ci, je les ai déjà explosées. Grande épée, c'est ça qui m'a donné? Ah merde. Ouais, grande épée du Seigneur des Tombes. J'ai un ancien taudis abandonné. Donc, ça, c'est bon. Attends, on va à la paroi, c'est mon vivant. Oh bordel de merde. Donc, celui-là. C'est fait. Premier truc de barré. Ouais, ils vont tout droit. Ça fait plaisir. Il passe par là, les petites putes. Je te rejoins. Par contre, le mec est full life.
Il fait très très mal. Oh, il est bugué. Ah, il était bugué. Il a perdu focus, trop bien. D'accord, la squelette. Ouais, c'est bon, il est mort. Que des petites merdes, je crois. Ah non, il y a Gerino et 25 merdes. Parfait. Lui, il est mort. T'as quoi en tourelle? J'ai un focus, et ça. Et un missile avec une tourelle normale. La force focus? Ça c'est le mec qui a pas compris. Monsieur, vous êtes con, effectivement, j'ai oublié de vous le dire. Effectivement. Effectivement, je suis totalement. Ah merde. Ah oui. Ça fait donc ça de passer par des passages secrets. Je crois que Captain Rabbit a quitté le stream, je suis pas sûr. Ouais, c'est pas grave. Eh ben, viewer. C'est moi. Il est que minuit les gars, et je me couche à 3h du mat depuis 2 semaines, vous allez pas me faire chier. Bon joueur. Les mecs 25 ans, étudiants. Je couche à 23h. Qui se couche à 23h? Personne. Si, sauf la semaine. La semaine, moi c'est entre 23 et minuit. Non, c'est en semaine de cours. En semaine de cours, c'est 22h. Ah, ça passe, ça passe, ça passe. En fait, maintenant, avant je me couchais ultra tôt. Mais et mon téléphone a fait que je me couche moins tôt. Voilà. C'est là que tu vois techniquement. Non, vraiment, mon téléphone, je se marche sur YouTube, mon ref. J'écoute de la musique en même temps. Hein. Qui écoute de la musique le soir? Moi. Ouais. J'ai une habitude d'écouter de la musique pendant peut-être 3-4 heures. Quoi? À 12, je me couche à 3h du mat. Ah, mais okay. Je sais pas écouter la musique, hein. Souvent je fais genre, je sais pas, 40 minutes d'écouter de musique, YouTube Short. Ah, ok. YouTube Short, mais qui va là-dessus? 30 minutes de vidéo et après je me casse encore sur la musique, après je vais. Waouh! Ouais, il est minuit, je sais plus. On va terminer les défenses, c'est ça? Il peut pas terminer les défenses. Tu peux mettre un missile si tu veux. Oh. Là, parce que tous les gars passent. Qu'est-ce que je connais cet endroit maintenant? J'appuie sur entrée, connard. Passe tes. En seul. Ah. Oh, de loin. J'ai un sniper. Ah, pour le coup, oui, mais bon. Qui lui est mort? Est-ce que là-dedans il y a des gens? Je vais chercher. Est-ce que vous êtes vivant? Ah, j'ai pas l'impression. C'était pas vivant là-dedans. Comme je peux en témoigner. Est-ce que là-dedans vous êtes vivant? Alors, ouais. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est tu. Oh, c'est moche. Oh, c'est des petits trucs. Ah, c'est vraiment c'est carré de chez carré là-dedans. Je suis dégoûté. Où suis-je? On est accroché sur quoi? Sur un arbre? Je ne sais pas. Faut vraiment comprendre ce... Ouais, regarde, c'est un arbre le bec qu'on a accroché. Je sais pas comment il s'appelle là-bas. L'arbre fait 50 km de haut, mais ça c'est pas un problème. Tout... Ça existe dans ce monde, bordel. Ah, la ville elle est là-bas. Ah, tu... Bah, regarde-moi où je suis, tu le verras. Ou à moins que c'est un avant-poste. Un autre avant-poste comme celui-là. Je sais pas, mais j'irai pas vivre ici. Hein. Vraiment, ce soir, je vais me coucher. Vraiment, un squelette là, parce que je peux regarder l'orbe du sanctuaire. Et là, il y en a pas. Ça m'étonnerait quand même qu'il y en ait pas. Hein. Alors, c'est quand même bien travaillé. Le seul problème, c'est qu'il faut lire les BD. Et les BD, bah. Faut les acheter. C'est drôle. Tu peux les... Je pense que tu les trouves quand en quand tu fais une mission dans le jeu, c'est juste. Tu fais 3 secondes d'une BD.
Parce que à la base c'est une BD, non? Ou alors ils ont fait une BD? Oui, à la base c'est une BD. Hein. D'accord. Et après ils ont réussi à faire un pacte avec le développeur du jeu. Coffee-Stand. En mode. Tu fais un fait. Putain, mais le mec était en fait, c'est trop bien comme jeu. Non, mais en fait, c'est, je crois que c'est même le gars, l'équipe de développeurs de jeu qui a fait l'idée de votre BD, elle est ultra bien, c'est-à-dire qu'on la réalise en jeu. Du coup, ça a marché. Mais du coup, ça a marché, voilà, etc. Attends, quoi? Après, là, en fait, on peut pas vraiment critiquer le jeu parce que. Même actuellement de nos jours, je trouve que les graphiques, ouais, ça voit que c'est vieux, tu vois, mais en vrai. C'est vieux, mais surtout. Assez... Ça va en vrai. Je suis d'accord avec le commentaire de Léo, il y a pire. Mais même, alors regarde, Borderlands 3 c'est sorti en 2013. C'est pas top. Hein. Borderlands 2. Borderlands 3, les graphiques sont pas top. Borderlands 2 il est en 2013 aussi, je crois. Ouais, c'était. Attends, je crois que c'est le 17 septembre 2013 dans mes souvenirs. Tiens, mais qui connaît ta précis. Mais écoute, je m'étais renseigné. C'est pour ça. Ouais, bon, ça là, je suis là. Je vais le 3, voilà. Ah, monsieur. Bon, on va augmenter juste un peu. Un peu mal. Voilà, 5. Oh putain. Oh, ouais. Putain. 5 têtes de bite plus 10 merdes d'un côté, 5 guerriers, fait chier. C'est trop chiant. Je crois que nous guessons une question. En vrai, en soi, moi je me trouve que la licence sur Doom elle peut plus évoluer. Parce que là, si tu me dis que ce jeu là, il y a des IA qui sont plus codes que ça, même en 2023. Hein. Oui. En 2023. Pouvez les bots dans Battlefield. Genre. Et par contre, bon, par contre, si on compare à GTA 6 qui sortirait là entre guillemets dans 1 ou 2 ans, voilà, par contre, on pourra pas tester. Là, je suis. Rockstar, ils sont très forts pour les IA. L'IA de GTA 5, elle est code, elle est très code. Ouais. Et par contre, celle de GTA 6, d'après tout ce qu'on a su, elle devrait être plus intelligente. Il y a un joueur qui débute, frère. En fait, plus intelligente qu'un joueur qui débute, tu vois. Imaginons sur GTA 6, t'as des étoiles. Et ben l'IA utilisera les caméras de circulation pour te retrouver. Pour trouver ta plaque, la couleur et tes vêtements. C'est mal ça. Pas heureusement. Si tu vois, dans GTA 5, quand tu tires, il commence à s'enfuir. Il y a des gens qui vont venir te bastonner parce que t'es armé. Même arme blanche. Mais c'est cool. Genre vraiment, l'IA, pour moi, ils ont testé peu. Ah, il me manque 25. Ah, attends, passe dessus. Ah, j'aurais dû aller tuer Petrus. Moi, j'irai le tuer plus tard. Là, j'ai chuté 3 trucs, c'est bon. On fait ça, c'est peut-être mieux, non? Il y a des mouches, c'est ça? Vous allez bien, monsieur les marcheurs? J'ai pas l'impression. Ouais, des petites merdes, fais gaffe, ça a pété. Arrête sur là-bas les mouches. Y'a pas les mouches. Ouais, c'est derrière. Ils se font péter le cul. Oh, ça. Non. Ok, c'est moi, j'ai peur. Oh putain, elle est encore séjectée. J'ai mis les cheveux, hein. Hop! Ah, les bouches, ils passent par là! Putain, ça commence à passer. Ouais. Une bouche, une bouche, je suis pas là. Ah bordel! Pas de folie, mais il y en a beaucoup. Je me rends compte, j'ai toujours mon verre solaire, j'ai l'impression d'un gros, très gros con.
C'est pas fini. Elle est là. Parfait. Oh putain, je vais fortifier le côté. Y'a encore des mouches? Ok. Par contre, les mouches c'est simple. Hein. Attends. Attends, voir le truc là-bas là. Let's go, Réa. Tiens, je te passe la thune de ton ancien truc. Ça sert vraiment à rien s'il passe par ici. Passe. Normalement on attend d'en mettre un deuxième. En fait là le truc que je viens de voir c'est que attends, mais je veux dire à des moments le cœur il se régène non? Oui. D'un certain mode. Non, avec un certain mode. Ouais c'est ça. Ah putain c'est terrible. Ok, je vais rester pour les mouches. Attends vraiment facile. Ah ouais, fais chier. Du coup on va être blessé à 240 de vie sur 4000. Va t'occuper des hurleurs. I've scoured. Where could you, my lady? Ah, quand j'aurai ça. Inch'Allah, un jour je vais les inviter. By the lords! You damned fool! Enough of you! Feel the wrath of the gods! Parfait. Ah, les hurleurs ils sont défoncés. Bah, c'est bien ça. Tiens, après tu. Oula, mon dieu. Mange ça, Petrus. Voilà. No, it can't. Tiens, qu'est-ce qu'il m'a look? Humanité 2. Ok. Je savais pas, mais en fait, Petrus c'est un connard parce qu'il bute Réa. Parce que. C'est lui qui la bute. Oui, c'est lui qui la bute. J'ai la sauveuse devant moi. En fait, c'est marqué une fois qu'on l'a sauvée à la tour des géants, une fois qu'on a tué deux boss principaux, on va dire. Et bah il va venir la buter. Parce qu'il aime pas. Regarde. Et il y a Logan qui explique pourquoi en fait. Moi pour moi ça tient les gars. Moi un ACP juste là moi, je pense que ça marche. Bon. Normalement le flotteur il suit le chemin donc autant ça. Would a miracle be of any help? I would be most pleased. May we discuss? C'est quoi ce serment? Ouais, marchand en guerrier mort. Alors, il me faut. Soin majeur. Deuxième. Oh putain, il a sauté ce con. Ouais. Colère des dieux. Mort, y a des. Et barrière magique. Encore un. Il faut s'occuper du flotteur, ils arrivent. Et voilà, j'ai tout. Occupe-toi, je m'occupe du dernier, le guerrier, la petite vie, je m'en occupe, voilà. Flotteur mid. Then be safe, farewell. C'est bon, il reste plus que les flotteurs. Parfait. Enfin, les gargouilles. Petite gargouille. A tué ce mage horrible. Oh, ils font mal. Oh, oh la pute. Ouais, mais j'ai été comme ouais. Comme un vulgaire ballon de baudruche. Ah, y'a un squelette qui est tombé. Mais alors là c'est Farino. Oh, il a posé un croc. C'est bizarre mais j'ai l'impression que ça va pas le faire. Que c'est pas qu'une impression. Hop, il crève. Améliore le focus. Non, on se fait le trek. Focus. Ouais. C'est même pas la dernière. Bon, en vrai si on fait comme d'habitude c'est bon.
Si là on tient. En plus les merdes là, grâce à ça là qui est là, ça leur fait. Thank you. Le problème c'est les meilleures hurleuses. Bla bla bla. Je suis l'autre ex de Karim, un connard. Parmi tous les autres. J'ai compris. Moi aussi j'ai vu ma vie. J'ai compris. Ah non, ah, putain. J'étais bloqué par la tourelle, j'ai pas vu. Trop le seum. Tourelle de merde. Ah, les rides viennent d'arriver. Barrière magique, c'est fait. Colère de Dieu, c'est fait. Son majeur, c'est fait. À partir de maintenant, ils sont là. Pile, il est mort. Ça, c'est les premiers. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils se séparent. À la fin, ils se séparent. Ouais, là par contre, t'as le gros du troupeau. Il est là. C'est pas un troupeau, ça. Ça va, ouais, en vrai, ça va. Ils prennent cher, mais tirent dans le tas. Hein. C'est les derniers, le dernier rhino, il vient d'arriver. Putain, j'aurais pas été bloqué par la tourelle, ça aurait été. Oh putain, dernière vague, on regarde le boss. Il y a des mouches. Ouais, des mouches. Y'a 28 marcheurs. Ouais. Oh, merde, mais... C'est rien des 28 marcheurs. Qu'est-ce qu'il y a? Le roi des marcheurs? Viens améliorer ça là. Non. Ah, ok. Ah, Kezako. Ah, Kezako. Ah, non, on a le roi des flotteurs plutôt. On laisse venir. C'est des formules, il a tué. De toute façon, là, je suis sûr, on va refaire, mais pas grave. Moi, ce que je veux savoir, c'est à partir de quand il spawn. Voilà, t'es au courant. Bah sinon, occupe-toi, il y a combien? 200k. 200k, mais je peux atteindre. En plus, il prend pas le focus, je crois, directement. Oh putain, c'est ça son point faible. Et oui, c'est un petit point, je crois. Ouais, c'est tout petit. Et il va presque éjecter dans les 4 buts. Il est résistance aux dégâts, quelle pute. Non, je suis désolé, ce boss a lui tout seul été une pute. Il a une réduction de dégâts de malade. À ce point-là? Ouais. Ah, il a pas de point faible? Non, il m'a. Non! Il a buté. Non, mais il m'a fait bloquer, si ce pute. Ah, c'est bon. Non. Allez! C'est pas le moment! Il a cassé les couilles! Tout comme toi. Ouf! Non, je rigole. Ah, on peut invoquer Chevalier Solaire ici. Mais c'est génial. Solaris, tu peux nous aider. J'arrive pas à me débloquer. Ouais, je suis bloqué. Fils de pute. Il avait plus de gens que je faisais. J'aurais pas dû bloquer, ça aurait été bon, fait chier quoi. Quand elle m'a envoyé dans le seul truc que je pensais que c'était pas bloqué, moi. Et si. Let's go. Alors attends un peu, je vais essayer que je mette un truc sur mon arme. J'en ai plus. Ah si, là. Attends, tu vas pas me dire que t'as frotté carcouille avec Solar? Si, apparemment on peut. Je savais même pas. Je pense que c'est parce que t'as fini. Hein. Non, je pense que c'est juste parce que j'ai fait un peu de trucs au pif. Oh, on peut pas skip cette anime. Ah, c'est ça. Ouais, Solar. Solar va leur faire super mal. Hein. Putain, il faut faire ça. Elle est morte. Ah,
sur l'air, non ? Ah non. Par contre, sur l'air, il est en fat roll. Oh. Attends, mais pourquoi je savais pas qu'il y avait solaire ici? Si je le savais, je... Mais je pense que c'est parce que tu l'as aidé la dernière fois. Tu l'as sauvé. Non, parce que là, je lui ai juste parlé. Ou alors, peut-être qu'on pouvait le faire et j'ai jamais fait gaffe. J'ai sauvé Lautrec. Ou c'est peut-être parce que j'ai fini la quête de Réa déjà en premier. Peu importe. Moi, ça me va. Ça permet de faire le boss plus rapidement. Donc Réa, c'est fait. Ah putain, je suis mort. Ah bah, je vais... Voilà. À toi aussi, bon. Attends, ils aident. Hein. Bah, je vais appuyer. Ah non, c'est la soulise de 7-9. Ok. C'est bon, j'ai envie de te dire. Ouais, je sais quoi, Lana. Bon poteau, j'ai pas le temps de te parler. Ça c'est le mec hyper insociable. Ok. Non, je vais devoir y aller. Ah ouais? Ouais. Ça me fait un peu chier. Le chouchou stream de Luc au cas où. Au cas où. Du coup tu vas te coucher? Par obligation, par obligation. Ah. Là tout de suite? Ouais. Ok, bah on va raquer. Hein. Je vais pas peu chier. J'ai passé le 40 aujourd'hui, mais chier. J'aime bien, c'est déjà ça. J'ai passé vraiment, j'ai passé plus de 10 niveaux. C'est bon, c'était cul. Le long de la nuit que je regarde, c'est. Lack some model. Comme tu veux. T'inquiète, rigole, je regarde pas du tout une vidéo comme ça. Je sais pas du tout cracher un bon écran. Genre vraiment, aucune vidéo de l'histoire. Vraiment pas de vidéo, hein, vraiment. Tout ça existe vraiment. Regarde ensuite le stream. Attends, attends. Pas pour le genre de terroriste, hein, évidemment. Il est blanc comme un cul, ça serait plutôt lui la cible à ce moment-là. Ah ouais. C'est chelou. Quoi? Clé des profondeurs. Let's go. Passage très rapide.
You. Yes, you. Here, over here. You must. Oh merde, c'est la mort. Oh, j'étais pas mort. Très chelou. Oh, du coup, j'ai les cheveux. Oh, super. Let's go, on repart. Oh non, bah, je commence à raccourcir. Il vous reste combien de succès à faire pour surtout une vingtaine. Quand même, vous en reste pas mal. Message, non, c'est Insta. Parce que Mato il m'en parle donc. Ah bon? Ouais. Oui. Je te dis, hein, Matteo c'est un vrai. Pas comme Kevin. Qui parle plus dès la première occasion. C'est vrai. Matteo c'est un vrai. Il donne des nouvelles tous les deux mois, je crois. Tous les deux, trois mois. Non, non, c'est un vrai. C'est sympa. Seems coming. Alors il y a pas de de lore sanctum. Je sais pas s'il y a du lore sur sanctum. En tout cas moi je suis sur Dark Souls et normalement moi je pense pas finir ce soir parce que ce soir quand c'est sur tard. Je pense vers 1h 2h j'arrête. Et je pense dans les 2-3 demain si ça prend pas trop de temps, j'ai fini. Un vibreur s'il te plaît. Ouais, attends. Poison, malédiction.
Oh la vache. T'es mal à taille du rat. Avec dans ce jeu là que tu veux dire ça. Et en vrai, le passe-partout est vachement efficace dans le jeu. Tu peux aller littéralement partout, du coup. J'ai pas encore réussi de succès. C'est pas ce que j'ai. Je t'entends presque pas après. I am good. I'm Donald of Z. Hop, cela arrive sur la voc pour la deuxième fois. Hop, deuxième boss. Et de la résine. Les dragons n'aiment pas trop la foudre. C'est très bizarre d'ailleurs. T'es revenu toi. C'est dur. Ouais, tu t'es parti. Tu fais péter le cul, il y a un mage là-haut. Tout à fait. S'est fait tuer au moment où il est parti. Génial. Solaire. Et d'ailleurs, vous savez, mais moi je savais pas, mais Bélatès il a une famille, mon roi, il fait peur, il a 53 frères et sœurs. Combien? Putain. 53. Frères et sœurs? Frères et sœurs. Les parents? Ouf. C'était un père. Hein. Oh. Il a pas chômé. La même mère ou pas? Non. Ah non. Bah y'a quand même pas chômé. Alors je sais que ce mec est bien fait, échec, que tu sois mort, tu vois, mais. Putain, mais 53 frères et sœurs. Comment il fait? Il...
Il doit y avoir un écartage énorme. Pendant un an, il les a tous défoncés. De tout. Tellement. Chaque année, à partir d'avril, il a rien. D'ailleurs, là, c'est Jean-Marie Bigard, la poulette. C'est tellement un mauvais sujet, mais tellement what the fuck. J'aurais expliqué. Non! Oh, par contre. Oh la mort du. Moi pour être djihadiste, ça a charmé, frère. Je suis plus blanc comme un cul, je suis belge. Je suis plus blanc, je suis belge. What? Je suis belge. Tu aimes les frites? Comme tout le monde, oui. Non, il y avait un mec dans ma classe, il met pas ça. J'ai trouvé ça trop salé. Ce mec n'avait pas bien le sucre. Le sucre, fils de pute. C'est juste parce qu'il y a de la friteuse, c'est de la friture qui est de l'huile de friture, c'est de ça sentait pas. Monsieur mange sainement, est-ce qu'il mange sainement? Il bouffe quand même pas, mais il aime juste pas les frites, c'est une grosse merde. C'est là, ouais, j'ai mangé comme un gros pot, imagine. Je me fous de sa gueule, je suis en mode. Parce que t'as mangé ce que t'as, c'est des frites coupées en carré, fils de pute. Ça s'appelle des potatoes, des frites coupées en carré. Une petite carré, je parle. J'adore, tu tombes de 3 mètres, tu tues les boss. À plus. De quoi, Lec? Ce qui est marrant dans le jeu, c'est, tu vois les personnes là comme ça en cristal? C'est des joueurs morts par la malédiction. Ça c'est pas classe. Un autre log maléfique, c'est pas ce que je veux. Putain, faut que je retourne au même endroit il y a 10 secondes. Merci gros lardon en sueur pour le follow. Incroyable. On l'oubliera pas tout de suite. Ah c'est bon, je suis arrivé. C'était ça. Bah moi aussi j'aime pas trop. Parce que je m'y perds. Bah, regarde, je vais crever comme une grosse merde. Ouais, attends, je vais. Parce que je parle pas fort, je vais baisser le son du jeu. Non, pas ça. Puis c'est ça. Voilà, c'est mieux là. Normalement, ça devrait être mieux. Après, attends. Je vais faire de toute façon de parler plus fort. Voilà, ça sera mieux là comme ça. Je peux parler plus fort. Alors.
Ouais, je vais hurler. Non, je vais pas hurler. Je vais réveiller tout le monde. Ça va être horrible. Donc, enfin, je suis arrivé ici. Allez, j'ai bientôt fini là. Bien sûr, c'est à cause de Dark Souls. Je suis obligé de crier. C'est à cause des mobs là. Surtout ces gros tas de merde là. Hop. Regarde, j'ai envie de crier là. On va pas le faire. Je suis pas un fou. Hop. Après, on va le tuer et ce sera bon. Mais t'inquiète, la zone qui est ici, tu vois, je la connais tellement par cœur. Mais tellement. Tellement. Bon, sueur, je sais pas, mais. Ah, si, quoi qu'en sueur. Il voit la gueule de ton perso, son mode. Qu'est-ce qu'il est beau. En plus, moi, j'ai fait un personnage magnifique. Voilà, il est dégueulasse parce que je suis un mort-vivant, mais. Normalement, il est magnifique. Ouais, c'est sûr. Oh merde. Ouf, je suis mort. C'est pas grave, on va revenir. On va les remettre en sueur. Alors attends, j'ai oublié le passage rapide. Normalement, tu passes ici là, rapidos. Ah, mais c'est juste là, je suis trop con. Là, j'ai oublié le raccourci. D'ailleurs, je me suis fait chier à tout faire. Bon, par contre, New Game Plus 2, ça fait mal. Les mobs font super mal. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Non, ça c'est mon premier Souls, sauf si on considère Elden Ring comme un Souls, du coup c'est mon deuxième. Ouais, c'est Elden Ring. Bonne découverte, ouais, plutôt bonne. Pas trop dur pour le début, parce que je suis un peu nul. Tu vois, avant Elden Ring, quand j'y arrivais pas trop contre un bonhomme ou un truc comme ça, je cassais mon clavier et tout. Là, ça va. Depuis Elden Ring, je suis en mode, il est dur. Ok, pas grave, on va le faire en 250 essais. Ce n'est pas un problème. Ouais, ça change énormément. Dark Souls, c'est tout droit. Bon, ça, c'est la différence entre un monde ouvert et un monde classique. Monde linéaire, comme on pourrait dire. Mais ça change, c'est surtout la difficulté. Après, c'est pas la même époque. Donc, 2011 par rapport à 2022, c'est pas les mêmes techniques, caméra, tout ça. Mais sinon, la difficulté, elle est là. Ouais. Avant, il y a le 2. Le 2, obligatoirement, on va passer après le 1. Tout le monde me dit non, mais du coup, pour moi, c'est oui. Merci, le grand sage, pour le follow. Oh là là, mais que Ah, se passe-t-il? ça lâche un follow à 1h du matin, d'accord. the way, le gros lardon en sueur, dans le vide. Mais oui, bien sûr. Les gens disent qu'il est horrible, mais une fois que t'as la technique, caméra horrible, potion horrible, la hitbox dégueulasse, c'est parfait. Le jeu est facile. Voilà. Bien sûr, c'est le week-end. Faut pas dormir le week-end. Faut tryhard. En vrai, oui, c'est vrai. J'ai vu des mèmes sur internet, enfin des mèmes, des vidéos, les mecs qui sont contre un boss sur un peu comme le démon Taurus, mais c'est un énorme chevalier avec une arbalète au fond. L'arbalète te permet de le one shot quasiment.
J'ai vu les mecs. Le bonhomme, la massue tombe à 10 km de lui, il meurt. La logique est totale. Quand même répondre Iris. Aïe aïe aïe. Simp. Désolé, je suis obligé de dire ça. Bah tu vois, après là je pourrais pas dire. Je peux que dire ok, cool. Ah bon, il est si long que ça? Par rapport au 3... Pourtant le 3 a l'air vachement long. Il y a plein de boss. Le 3 est le plus court. Attends, par rapport à Dark Souls 1, c'est le plus court? Non. Elle dit pas ça. Dark Souls 1, tu le finis quoi en 4 heures en y allant tranquille, pépouce, tu le finis? Plus droite que Dark Souls 1. Oh la vache. Mon dieu. Et le jeu est considéré comme une pépite. Mais bon, une fois que j'aurai fait les Dark Souls, je vais passer à Sekiro. On va moins rigoler. Ouais, les boss fights, c'est les meilleurs. Le roi son nom, on retient. Aussi c'est le chevalier esclave de Gaël, ce que j'ai entendu dire. Il est génial son combat. Ou alors c'est juste pour l'or et qu'il est classe. Ça après je sais pas. Ok, il est excellent. Bah tu vois, ça je peux pas le dire pour le moment. Pour l'instant mon combat préf moi, c'est chevalier d'Artorias. C'est celui où j'ai le plus galéré après le duo d'or Einstein et Smooth. Donc chevalier d'Artorias, génial. Pattern ultra EZ à comprendre et à manipuler. Une fois que t'as compris, bon bah il est tout nul. Et juste très long parce qu'il a beaucoup de vie. Mais voilà. Après pour toi c'est quoi le pire combat? Le combat le plus chiant, le plus... T'arrives en mode non j'ai pas envie de le faire, il est chiant. Mais t'es obligé de le faire. Non, dans tous les Dark Souls confondus. Après tu peux dire aussi le 1. Hein. Dans le 1, moi dans le 1 c'est Manus. Il est extrêmement agressif. Il est pas fun. Moi je le trouve pas fun. Énorme sac à PV. Midir. Un peu comme Calamite, je veux dire. Parce que Calamite, lui, c'est aussi une tannée après Manus. Ou même avant, ça dépend de où tu le fais. Moi je l'ai fait après. Très très chaud aussi. Ouais. Manus, moi j'ai invoqué deux joueurs pour m'aider parce que j'en avais vraiment marre. Calamite, moi je le trouve pas fun. Parce qu'il est long, parce qu'il a beaucoup de vie. Et il fait extrêmement mal. Après son combat, il... Tu vois, ses patterns sont pas fous parce que t'es obligé d'attendre au moins 2-3 patterns avant de le taper. C'est long. C'est pas fun. Mais une fois que tu l'as tué, t'es en mode ah, je l'ai tué. Enfin. Allez vite là nous. Voilà, parfait. Ok. Une fois que t'auras fini tous les souls. Mais bien sûr. Mais c'est prévu. C'est prévu. La giga tier list elle est prévue. De toute façon on est obligé de faire la tier list après. Qui la ferait pas? Alors ici je cherche un PNJ. Normalement elle est là. Enfin, après je la connais pas trop ce PNJ. Où est-ce qu'elle est? Ah elle est plutôt... Ah elle est là-bas, cool. Enfin je la trouve. Après 3 runs, le PNJ apparaît enfin.
Blablabla, oui. Yes. Are you... Acheter objet. Alors, il me faut là. Grande boule de feu. Tempête de feu. Grande combustion. Orage de feu. Ah, orage de feu, c'est à la fin. Fouet de feu. Et sympathie avec la mort. Sympathie des morts vivants. Parfait. Now go. Whatever you do, lest... Aïe aïe aïe. Donc j'ai fait quasiment tout avec elle. Il manque juste orage de feu. Le pire, c'est le foyer du caoutchouc. Bah c'est pas le pire, je trouve, c'est juste... C'est le niveau des, de l'arène qui est horrible. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux le refaire en 3 fois. Le boss n'a pas bougé. Il est dans l'état où tu l'as laissé. C'est... Je trouve que c'est un peu trop simple du coup. Mais en vrai, c'est pas mal. Alors, allez, faut que je fasse quoi après? Une fois qu'il a éliminé. D'accord. Plus de trajet à se taper. En vrai, le trajet, ça va. Moi qui viens de Elden Ring, les trajets c'était. C'était un truc à découvrir parce que sur Elden Ring, les trajets c'est pas trop ce qui existe. T'as le foyer, attends, t'as la grâce juste en face du boss. T'es en mode pépouze, c'est facile. Et que là, le trajet, bon, le trajet pour le foyer, ça va. Ah oui, papillon clair de lune, on est d'accord. Grosse merde. Et parce que le boss est très nul, mais quand tu les croises dans les cavernes de cristal, tu peux pas le buter ce machin. Il est hyper chiant. C'est juste abusé. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils ont fait si simple le papillon. Ils ont dû le faire plus dur. Parce qu'à partir des rayons laser, une fois que tu as compris qu'il fallait esquiver vers la droite ou vers la gauche, à tant de secondes après qu'il ait craché son machin, EZ. Mais trop simple. Il y a PNJ machine. Oui, par contre pour le summon, ce PNJ c'est aussi un connard lui. Caché derrière un buisson. Qui allait penser qu'il était derrière un buisson, débile. Vraiment, horrible. Moi j'ai découvert ma deuxième run. J'étais en mode, oh, y a un mec derrière le buisson. Tu sais, tu vois plein d'écriteaux, tu te dis, mais pourquoi il y a des écriteaux ici? Y a rien, par un buisson. Ah, tu fais une run dans le buisson. Oh mince, un PNJ. Oh. C'est bizarre. Abusé. On a accès au PNJ à invocation. Ah bon? Ils sont si cool que ça? Ah merde, ici le PNJ je l'ai pas invoqué. Ah, je vais pas faire kill tout seul. Horrible. Oh, il est pas dur comme boss, mais bon. Certains se comportent presque comme des joueurs. Mais c'est cool ça! Alors il se comporte comme les joueurs, des gros débiles. Un peu pas comme lui quand même. Celui des. Mais tu sais c'est quoi la différence entre Dark Souls 2 et Dark Souls The First Sin ou le First machin? Ok bah raconte pas. La surprise pour plus tard. Ouais voilà celui-là. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que l'autre il a tous les DLC d'un coup? Ok, let's go. Un boss. Ça fait plein de changements au jeu. Ah d'accord. En fait c'est le 2 remaster quoi. Ou directeur cutscene. Ah, du coup il faudrait mieux prendre le Scholar, The First Sin, que le 2 et tous les DLC. Oui un petit remaster.
Oh la vache, elle a de la puce. Non, me coince pas. Quelle pute. Allez, occupe-toi du PNJ là que je bois tes machins. What the fuck? Ouais, ça date quand même la PS3. Maintenant on est à la 5. Par contre, ce que je trouve abusé surtout, c'est que Bloodborne n'est toujours pas sur PC. L'épée de Killag, alors je l'ai, mais je l'ai jamais utilisé en vrai. Peut-être que je l'ai fait juste pour le succès. D'ailleurs, que je l'ai toujours pas fini. Ah, viens là, Killag, on meurt. Merci. Ce que je l'ai, c'est la furie machin. Ah, non, pas là, là. C'est laquelle? Machette, non, non, non. Ouais, c'est dégoûtant. Je sais même pas s'il est sur émulateur. Parce qu'en vrai, j'ai envie de le faire parce qu'il a l'air génial. Ah, à ce moment-là? Putain, horrible. Ah, quand il le passe? Et le jour où il le passe sur PC. Pouah, top 10 dans. Allez, top 5 des ventes de Steam. Ils vont attendre que le 2 va se sorte. C'est pas encore top l'émulation PS4. Oh ouais, peut-être si tu le dis. Moi j'en sais rien après. Je ouais, n'en sais rien sûr. Du tout. Demon's Souls. Après il y a la remaster de Sim Demon's Souls qui est sorti. Je sais pas si lui aussi il donne. Après il est sur PS5. Ou PS4, j'en sais rien. Ouais, sur PS5, ouais. De toute façon, il doit y avoir un portage sur le 4, dans la logique. Là. Je crois qu'elle sera jamais sur PC. Tu penses? Non, la politique de Sony, c'est plutôt attendre que les ventes baissent ou que plus personne s'y intéresse et après ils font le portage. C'est comme Ghost of Tsushima, jamais il sort sur PC. Le jeu est bien et trop bien pour être sur PC. Oh vas-y, elle peut faire ça, cool. Cool, cool, cool. Il est vraiment très beau, c'est plus... Bah oui, c'est... En plus c'est même pas From Software qui l'a refait, c'est une autre entreprise. Après j'ai pas de PS5 donc je peux pas dire, je suis pas trop console. J'ai que la Nintendo Switch et encore elle pue. C'est vraiment pas ça la Nintendo. Ouais, peut-être. J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas From Software. Après, comment ils l'ont fait? Quand tu vois les vidéos, le non remaster, l'original et le remaster, tu dis waouh, c'est une claque. Si j'ajoute le premier boss, ils l'ont tellement refait. Ah oui, mais la Switch, c'est une grosse bouse. Franchement, là, le nouveau Zelda, il est aussi moche que le premier. C'est horrible. Alors qu'ils auraient pu faire des modifications, parce que quand tu l'as sur PC et émulateur, il est magnifique, le jeu. Moi, j'ai vu des gens le mettre sur émulateur. Mamma mia, le jeu, il est trop beau. Après elle commence à dater. Moi je l'ai fait sur Switch, après j'étais plus petit quand je l'ai fait. Du coup j'étais en mode ouais graphique je m'en fous un peu. Maintenant je suis en mode oh c'est dégueulasse. Si le jeu est pas beau. Là par exemple Dark Souls, bon. On voit il a vieilli. Mais en vrai, quand tu t'attardes pas au graphique, tu t'attardes juste au gameplay, c'est bon. Ouais 2017. Le temps passe vite. Le temps passe très très vite. Ça fait déjà bientôt...
crois que ça fait 8 mois que le DLC Elden Ring a été annoncé. Ouais, 2011 Dark Souls. Moi j'étais trop jeune quand il est sorti. Je pouvais pas y jouer. Non, merde, je suis tombé. Moi j'ai découvert après la hype. Ça parce qu'un pote m'a dit de faire Elden Ring et quand je l'ai fait j'étais en mode oh, j'ai envie de faire tous les From Software. Et d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire. Tous les From Software, aucune exception. Sauf Bloodborne et Demon's Souls parce qu'ils sont pas sur PC. Je les trouverai sur émulateur, ça sera dégueulasse. Ou alors je m'achèterai une PS5 mais juste pour le jeu. Le gros fou. Armored Core? Non, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Enfin, ça pourrait m'intéresser. C'est pas par là. C'est un nouveau From. Ah bon? Il sort dans un mois? Non, vraiment? Ah, mais c'est pas un comme leur premier jeu où tu joues une sorte de titan mécanique et tu tires des missiles un peu partout? Ouais, voilà. Dark Souls avec des mechas. Bon, en vrai, faut voir. Hein. En vrai, faut voir. Après, je pense que je vais faire comme ma technique tous les ans. C'est j'attends que le jeu il sort. Je regarde sur Twitch, YouTube, ce que les gens en disent. Et 3 mois après sa sortie, je l'achète s'il est bien. Bien sûr. Il y a des pépites cette année qui vont sortir. Hein. Déjà il y a Zelda, bon tout le monde dit que c'est jeu de l'année, je suis pas certain. Parce qu'il y a Sixsong qui doit sortir aussi. Je sais pas du tout où je vais là. Starfield, ouais, tellement. Le jeu a l'air juste génial. T'as aussi le nouveau Star Wars qui va sortir là. Le Outlaw. Bon, c'est pas cette année, je crois, mais. Pareil. Ça a l'air d'être une masterclass. Après, je sais pas ce qu'il donne. Mais le Starfield. Juste. Bethesda. J'ai peur qu'il soit buggé. Il va être buggé alors. Ouais, c'est sûr. Après ils sont bien, hein. Je dis pas qu'ils sont nuls. Skyrim à sa sortie, bonjour. Hein. Ouais, j'imagine. Mais ils sont bien leurs jeux. Leurs jeux sont géniaux. Ah, faut que je monte. Pardon. Ça dépend desquels. Hein. Bah regarde. Fallout, Skyrim, ça fait quoi? Ça fait 11 ans qu'il est sorti, bientôt 12. Le jeu il est toujours aussi connu, il est toujours aussi joué. Enfin, moins aujourd'hui, mais toujours aussi joué. Les enfin, sociétés, non, les ça, parce que ça arrive des modes qui c'est vrai. Malgré les bugs, c'est comme Cyberpunk. Jeu nommé comme le plus buggé de l'année quand il est sorti. Fois, il est plus trop buggé maintenant. Enfin, il est même quasiment plus du tout. Il est génial le jeu. J'ai un pote qui l'a fait et il le trouve génial. Après ça, tous les jeux ont des soucis techniques au début. Ça arrive. Ah mon dieu. À la douche froide. Précommander un jeu, tu le sors. Ah, tu peux même pas y jouer. Il est tellement bugué. On en parle de Battlefield. Oh, Battlefield. Dinguerie, comment c'était. C'est tout nul. Ouais. Mais outre les bugs, il est super cool. Okay. Ouais. Ah dégage connard là. Laisse-moi monter.
À ce point-là? Elle est punaise. Comme quoi, PC c'est mieux. Encore un point marqué par PC. Pourquoi? Parce que les PC c'est... Je pense que c'est pas le même langage, du coup c'est plus facile à coder dessus. Ou alors c'est plus facile à débugger parce que les devs vont plus vite là-dessus. Après je sais pas. Je n'ai aucune idée. Après c'est surtout la politique de Sony, elle est horrible. Pour les jeux vidéo qui sortent dessus. Elden Ring, je l'ai acheté un an après sa sortie, donc pas trop déçu au total. Bon, ça va. Donc le plaisir de jouer est là, c'est parfait. Moi cette année, non, c'est l'année dernière, j'avais précommandé un Total War parce que à la base je suis un joueur de jeux de stratégie. Ouais, aucune logique. Un joueur de stratégie sur Dark Souls, logique. Depuis 2016. Waouh. Ils l'ont annoncé depuis Dark Souls? Non. Ouais, ouais, si, si, je suis un joueur stratégie. J'adore les jeux de stratégie. C'est ma petite cam, tu vois. Tu me sors un Victoria 3, je suis en mode waouh. Bon, je l'ai pas parce qu'il est juste, il y a trop de trucs à faire. Rome Total War. Oh là là, mon dieu. Les grands esprits se rencontrent. Ah ouais, Stellaris, je l'ai fait moins de 200 heures de jeu dessus. Stellaris, je suis bouffé 300 heures. Oh, pff, on s'est bouffé trop d'heures dessus. Crusader Kings. Crusader... Non, je l'aime bien, mais il est tellement pas accessible pour tout le monde, il est tellement dur à prendre en main, que il me dégoûte un peu. Mais quand tu dis, ok, je focus uniquement l'économie, là que t'apprends un peu l'économie, tu dis, waouh, le jeu est bien fait. Ouais, bah c'est comme par exemple Europa Universalis 4. La première fois que je suis allé sur le jeu, j'étais en mode oula, il y a un peu trop de trucs à l'écran. Je suis perdu. C'est pour ça que d'ailleurs j'y ai pas joué. Il y a trop de trucs. J'ai un pote, il y joue tous les jours. Mais juste, je sais pas comment il fait. Il laisse le jeu tourner en fait. Ouais, peut-être. Il joue un pays pacifique et il laisse tourner le jeu. Aïe aïe aïe. Ouais, peut-être. Après, moi je préfère Total War parce que Total War, tu fais uniquement la guerre, l'économie. OZEF, c'est un peu de la merde. Tu fais un peu n'importe quoi en économie, t'es tout le temps dans le positif. Surtout sur les Warhammer. Je trouvais que les Warhammer étaient un peu trop simples sur ce point-là. Ouais, après, ça reste un jeu paradoxe, t'as raison. Les jeux paradoxes sont pas très très accessibles. Ils sont plutôt compliqués en fait, s'ils sont complets. Non, je dirais pas trop complet, c'est juste qu'il y a... Ils sont complets certains, partout. Ouais. Et comme ils sont complets partout, c'est plus dur à appréhender, il y a tellement de choses à apprendre. Ouais, bon, après, tout d'un autant de Total War, le but du jeu, c'est d'écraser tous tes ennemis. Donc, niveau diplomatie, c'est pas là. Même s'ils ont fait des efforts pour le Total War 3. Le Warhammer 3, ils ont fait des efforts dessus. Niveau diplomatie, c'est un peu plus dur. Même si, bon, quand tu joues KO, bah, tu roules sur tout le monde, c'est ton but. Mais bien sûr, Total War c'est fait pour ça. La dernière fois j'ai joué à Shogun 2, juste pour voir la cavalerie écraser les archers, t'es en mode, quel plaisir, ces connards d'archers là. Le mieux c'est de faire une bataille, tu fais une victoire décisive, ou quoi, t'as perdu quasiment 0 homme, en face ils étaient le triple, t'es en mode, parfait, j'ai l'impression d'être Napoléon, c'est trop bien. Ouais, j'ai fait les deux autres. Alors, le 1 beaucoup moins que le 2. Le 2, j'ai passé énormément de temps dessus. En fait, j'ai acheté le 1 et le 2 en même temps, mais juste pour avoir la grande map. Du coup, le 1, j'ai presque pas joué. Alors que j'ai joué les unités. Mais bon, bref. Les deux sont bien. Le 3,
il est encore mieux, je trouve. Il y a des points qui ont été refaits, qui ont été mieux abordés. Par exemple, l'économie. Moi, je me rappelle dans le 2, les potes faisaient des quantités d'armées de vin, c'était abusé. Dans le 3, c'était toujours ce problème. C'est beaucoup plus difficile de voir des IA un peu pétés. Ils sont un peu plus nuls. Surtout quand tu joues KO. KO, tu crasses tout le monde. Principe. Oui, après, il est très cher le 3. Mais normalement, il y a un Total War qui va sortir là. Pharaon, quand il va sortir, il sera moins cher. Dans la logique. Après, je sais pas comment ils fonctionnent leur politique, mais dans la logique, c'est ça. Ouais. Ils ont un Discord. Sur leur Discord, tous les jours là, ou quasiment tous les 2 jours, ils envoient un truc. Ah bah, tu vois. Maintenant, t'es au courant. Ils sortent tous les jours des trucs, et ils sont constamment live sur Twitch. Ouais, c'est Pharaon, donc retour aux sources, ils retournent sur des trucs historiques, et là cette fois-ci c'est les pharaons. Donc il y a Ramsès, j'ai vu que tu pouvais jouer Ramsès. C'est pendant Ramsès. Pas cool. C'est un truc qui me fait peur dans le jeu, c'est que il va coûter le coup du cul pour que ça soit un jeu encore le game. Ce serait comme Troy? Non. 3 c'est pas pareil. 3 c'est un Total War Saga. En fait, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Les Total War et les Total War Saga, c'est pas la même chose. En fait, les Total War Saga, c'est pour les développeurs, ils apprennent un peu à. À faire un nouveau Non, concept à de faire une nouvelle chose. Par exemple, dans Troy, il y a la gestion des ressources. Mais t'avais pas ça dans tous les autres Total War. Par exemple, le bois, la pierre, tu veux faire des bateaux. Dans tous les autres Total War, c'est un peu d'argent. Là, t'es obligé. Ouais, ils ont fait un site. Ouais, ils font des sites sur tous leurs jeux. C'est marrant. Mais du coup, ouais, Rome 2. Après, je sais pas, j'ai jamais joué à Rome 2. Moi, je te dis, je suis juste Warhammer et les derniers. Troy, j'ai pu jouer par une démo. J'ai eu un accès pendant pas mal de temps. Du coup, j'ai pu jouer gratuitement à Total War Troy. Après, par rapport aux autres, aux Warhammer, je sais pas. Je sais pas ce qu'il vaut. Alors moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps Warhammer. Et je suis en mode waouh, l'univers est tellement plein, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à lire, c'est incroyable. Et encore, Warhammer 40 000, c'est pire, il y a encore plus de trucs à apprendre, plus de trucs à faire. Même si bon. Putain, il s'est fait rouler dessus là le mob. Mais c'est simple pour Warhammer 40 000. Tu vas sur les lives de Henri Calvin. Calvin, c'est bon. Hein. Ouais, il est un peu chelou le lore. Le lore, il faut s'accrocher parce que il est tellement complet et surtout très complexe. T'as machin bidule, il doit faire ça. C'est très très compliqué. En fait, il faut l'apprendre de A à Z. Il faut commencer par l'âge de Sigmar et après tu finis par 40 000. Parce que si tu commences directement avec Warhammer, tu vas être perdu. Ah ouais, les figurines sont magnifiques. Moi j'ai juste envie de m'acheter une figurine, déjà peinte, mais juste la figurine de mon unité préférée, de mon général préféré. Skaven là. Moi je jouais ces Skaven parce que je suis un connard. Le nombre d'esclaves. Jouer les Skaven vraiment, ces mecs qui. Ah oui, le rat total. Je n'ai aucune pitié. Je fais des unités de merde et je gagne quand même. Alors que t'as des ennemis, ils sont avec des unités pétées et tout. Ah ouais. Alors ça par contre, le système de ville souterraine, je l'ai jamais pigé. Parce que les IA, quand tu joues les Skaven, ils sont hyper forts pour détecter. Que les joueurs, bon, c'est un peu plus dur. Mais les IA, pour oh là là, faut y aller pour qu'elles te détectent. Enfin, faut y aller. Elles te détectent très rapidement quoi. Alors le mimique. Mais en vrai, c'est une mécanique qui est intéressante, les villes souterraines. En fait, Warhammer, c'est. A rajouté tellement de nouvelles perspectives à Total War. C'est juste génial, je trouve. Et oui, c'est ça qui est bien. Bien sûr.
par exemple, bon, après avec Warhammer 3, il y a. Les civilisations sont différentes, mais il y en a une, elle est vraiment chiante à maîtriser. Parce qu'elle est horrible. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre description possible. C'est pas trop ça. Ouais, c'est plutôt, par exemple, bah, dans Shogun, moi j'ai l'exemple de Shogun parce que c'est le seul que j'ai fait, historique. Dans Shogun, franchement, tu joues les Japonais, bah tu sais que ton ennemi a les mêmes unités que toi, donc c'est celle des ogres. Elle est horrible parce que en fait, les ogres, ils ont de l'usure permanente quand ils sont en dehors de leur ville. Alors c'est bien et tout, et du coup tu peux te transformer en ville, mais c'est juste abusé comment c'est tout nul. Ça devient même un peu chiant. Ah ouais? Ouais, moi j'aime pas les jouer. Ouais, je l'ai eu en bonus de préco. Oh la vache, c'est chaud là ce que je viens de faire. C'était pas du tout prêt. Putain, j'en ai marre de faire cette map là juste pour des succès de merde. D'accord, alors le mob tu descends. Ah, le Il faut bout les qu'on succès. entend à peine, c'est mon frère et on est dans le même vocal. D'ailleurs, attends, je vais augmenter son son parce qu'on l'entend pas. Attends, il est où? Il est là. Vas-y, Lec, parle un peu. Oui. Voilà, c'est mieux là. On va le mettre à Pète les 100%. couilles de faire ces succès noirs. Voilà. On l'entend mieux. Ah, vous allez m'entendre gueuler, lol. LOL, il rage. Il connaît pas Dark Non, Souls. Dark Souls, c'est de la merde. Ouais, il joue. À quoi tu joues déjà? Sanctum? Sanctum. Ouais, voilà. Il joue à Sanctum 2. Je sais pas si tu Je connais. continue. Sauf que là, les succès que je passe, c'est de la daube. Putain. À ce point-là? Jouer un certain type de personnage sur une certaine map, avec une certaine composition de skills. Horrible. Oui. En plus, c'est des skills que tu maîtrises pas, je parie. Donc, de toute façon, toutes les perks, tu peux ne pas les maîtriser. Hein. C'est vrai. Vraiment, tu joues normal, elles ne vont pas basculer le gameplay. Y a plus grand monde. Tu peux croiser des gens, on en croise pas mal, mais y a plus T'en personne. croises, mais c'est des connards. Hein. Ouais. Ouais, c'est Ils font plus l'espèce de rien. tower défense 3D là. Tu joues un bonhomme et y a des grosses bêtes qui viennent te chasser. C'est bien ça. Merde, c'est vrai, j'ai pas la clé. Je vais chercher la clé. Toujours intéressant d'avoir un raccourci. Ouais. Moi j'aime bien les. C'est un des jeux de mon enfance. Il est génial, j'aime bien. Ah merde. De quoi Sanctum? Ouais. Ah. C'est un des jeux où j'ai joué le plus à l'époque. Après. Le jeu d'enfance, moi, c'est Skylanders. Terraria. Non, Skylanders. Le premier qu'on a eu, c'est Terraria. Ouais, mais moi je préfère les Skylanders. C'est tellement bien. Je sais pas si tu connais. Ah. T'as l'air de connaître un peu. Vous êtes le maître du portail. On a besoin de vous. Maître du portail, que décidez-vous de faire? Trop bien comme jeu. Juste la musique. La musique du. D'entrée de jeu, elle est. Moi, je la trouve géniale. Même si, bon, le jeu a extrêmement mal vieilli niveau graphique. Ah, si, il est pas mal, hein. Les Oui. derniers sont pas mal. Oui. Skylanders, c'est la démonstration parfaite du capitalisme. Tu fais un jeu, tu fais plein de petites figurines à acheter, Et et ils sont chaque perdus petite. avant l'heure. Ouais. Et tu fais des cartes dans le jeu, enfin des maps. Où il te faut tel personnage pour ouvrir telle porte. Comment se faire des couilles en or? Il n'y a jamais J'ai joué. encore fait d'artifice à 1h du mat, mais putain, mais. Oh non. Ouais, Putain, j'ai moi plus je le l'avais. succès. Pourquoi j'ai plus le On succès? avait même pas. On avait juste les Skylanders de base. Tu sais, quand t'achètes les portails, donner 3 Skylanders. Et c'est tout. T'avais rien d'autre. Oh bah moi j'avais eux. Moi j'ai trouvé géniaux. Là, hop. Qu'est-ce qu'il me vend lui déjà?
Pas une grande épée et des anneaux. Rien du tout. Nothing at all. Fine then. Ouais, le concept était cool du portail et tout. Pour les enfants, ça les fait kiffer. Après, bon, avec le recul, t'es en mode. Ouais. C'est chiant. Bah, après, il y a un moyen facile de craquer les figurines. En fait, quand tu connais le comment fonctionne le truc, chaque figurine a un code. Et quand le portail, c'est juste un lecteur de code, qui repère le code, hop, c'est telle figurine. Bah, une fois que t'as un peu de niveau en codage, tu craques le truc très rapidement. Mais sinon, ouais, ça pouvait être un concept intéressant. Mais après, c'était un truc à licence. Tu vois, ils en ont sorti 5. Six. Oui, 6. Le dernier, 6, ouais. 6, mais en quoi? En 3, en. Allez, 5, 7 ans. Comme un DLC, techniquement. Ouais. En 7 ans, ils en ont sorti autant. C'est un jeu à licence. Tu fais un jeu, ça marche, t'en fais 6, 17. Hop, ça marche pas, tant pis. Une fois que ça fait moins de. Une fois que la licence en perte, hop, t'arrêtes la licence. Terminé. Simple et efficace. Electronic Arts. FIFA 28. Oh mon dieu. Electronic Arts. FIFA 50. En plus, c'est con, ils ont commencé par le 16. Ah bon? Non, il y a plus vieux. Ils ont commencé par le 98. Ah bah voilà. Mais c'est un manager qui compte pas. Ah. Pas top les managers. C'est un peu comme Steam sur. Il y a un jeu de basket. Il coûte 200 euros. Juste le jeu de base. Hein. Quand il était sorti 200 boules, t'es en mode. Ça pique un peu. Je vais pas l'acheter. J'adore jouer des persos. Que je ne verrai jamais dans la vraie vie. Ah. Bah, je pense que c'est un peu le principe. Ah, il est pas mort. Sinon, toi, c'était quoi ton. Ah bah oui, tout ça, on connaît. Sinon toi c'était quoi ton jeu d'enfance, à part Skylanders ou Terraria? Parce que là avec Terraria, mais tu l'as jamais fini en plus quand t'étais plus jeune. Mais personne n'a fini Terraria. Oh c'est trop compliqué. C'est trop long. Et dis pas Minecraft, Minecraft c'est le jeu du siècle. Ah y'en a tellement. Ce nouveau banger du siècle. C'est le banger du siècle, mais ils sont tellement en train de le détruire, horrible. Bah parce qu'ils font de la merde. Le jeu était incroyablement beau. Mais là, bon bah... À l'époque, non, il était pas très beau. Pour 2009, il est beau. Même si j'y joue, toujours. Ouais bah... Moi aussi, je l'ai installé sur mon PC. Il est tellement pas lourd comme jeu. Avec les modes 66 Go, quoi. Ouais, bon, sans compter les modes, bien sûr. C'est pas quelque chose qui fonctionne. Bref. Alors, j'ai bientôt fini ma run là. Ce qui manque, quoi. 3 trucs à aller acheter. Un ping. J'ai tué Snow? Non. Oh, non, pas encore, mais eux, je vais pas les tuer. Hein. Ma run va s'arrêter à Sif. Le chien. Ouais, le gros chien. Parce que je fais tous les succès et comme j'ai presque fini les succès là. Combien sur combien? 40. Non. Je suis à 35 sur 40. J'en ai gagné un tout à l'heure. T'es loin d'avoir chien. Non, c'est des succès qui se font tous d'un coup. Tu verras. Après je sais pas si je les aurais finis soit. Putain, il lui a fait super mal. Allez hop. Golem vaincu. Honor Londo. Putain, je suis en train de tracer là. Je peux aller merci. Aller dormir, enfin. Je peux répondre sur toi, Iris. Oh, y'a le simp. Le simp se réveille. Niquez-vous. Putain, je suis presque à 3h et je suis déjà à la moitié du jeu. Hallucinant comment ça va vite. Alors sinon tu m'as toujours pas dit gros lardon en sueur, c'est quoi ton jeu d'enfance? Ok, bonne nuit. Hop, ça c'est bon. Well,
La suite au prochain épisode. Non mais je m'en fous de toi. Ok. PNJ qui sert à rien. T'es toujours là, Alec, ou t'es parti? Je suis toujours là. Ok. Bah tiens, je vais te montrer un truc. Ça va être très rapide. Là, il y a un combat de boss. Et j'ai fini. Enfin, un combat de boss. Un mob. Allez, dis donc. 2 followers en une soirée, là. Plus efficace que tous mes streams où j'étais à 10. De quoi? C'est une gargouille. Mais j'arrive pas à les tuer. J'aurais dû mettre électricité sur mon épée. C'est vrai qu'il fait ça, ce connard. Et voilà, il est mort. Alors, tu vois, là ça va durer 5 minutes. Le passage, je le connais un peu par cœur. Tu vois, tu montes ici. Tu fais une roulade au dernier moment. C'était pas le dernier moment. Bon. Bon, Dark Souls, quand tu te précipites un peu trop. Tu connais. Donc on recommence. En fait, j'ai quoi? J'ai 1-2 trucs à collecter. Et j'ai fini 2 succès déjà. Puis après, si j'en collecte 3 de plus, je finis encore un autre succès. Et le dernier succès, il finira. Parce qu'en plus j'ai 2 succès à finir quand je collecterai des items au pif, en allant tuer 2 boss au pif. Mais ça sera sûrement pour demain. Avant là, je vais te montrer un secret. Et je vais te laisser réfléchir à comment tu penses à ça. À quel moment un mec a pensé que, oh, en allant par ici, ça fonctionnerait. Voilà. Ok, alors, t'arrives ici. Il y a des pignoufs qui tombent, tu montes vite. Je sais pas si tu vois ce que je dis. Tu penses que je fais? Bah, il y a un petit décalage. Ah, ok. Oh, il y a du parcours. Ouais. C'est pas le pire truc, parce que les mobs, ils sont un peu nuls en parcours. Du coup, ils tombent. Enfin, quand ils le veulent. Et la caméra, des moments. Ça, c'est comme si ton personnage suit la caméra. Si la caméra se tourne à un moment, ton personnage va faire un 360. Ça va être horrible. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est comme ça, tranquillou. Par exemple, tu vois le passage que vient de se faire là avec les sortes de tuiles là sur le toit. Si en fait ma caméra, tu vois, je l'ai posée carrément contre le sol quasiment. En fait, si je la pose pas contre le sol, la caméra tourne. En fait, elle va tourner. Ton personnage va suivre la caméra et ça va être une plaie. Je vais mourir instant. Ah, j'ai oublié qu'il y avait une gargouille.
Tu l'as raté ou... Non, non. Ok. Après, j'ai mis les sons de bruitage au minimum pour entendre ma voix. Parce qu'on l'entend pas beaucoup. C'est mon micro. Quand... Si je parle pas fort, on m'entend pas. Mmh. Horrible. Alors que sur Discord, il me fonctionne très bien. Hein. Là, tu m'entends normalement. Sur le stream, non. Parce que sur Discord, j'ai pu augmenter la sensibilité et sur Streamlabs, on peut pas. Ce que j'ai réussi à faire sur... comment ça s'appelle? Il y a Bob Lennon qui est en live. De quoi? Bob Lennon qui vient de se mettre en live. Ah, cool. Bon, bah j'ai fini pratiquement tous les succès, maintenant c'est plus du style qu'il faut avoir. Ah bon? Et du monde. Parce que... Ah, c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là. Hop, t'arrives ici. Halt, this is here. Et Gwendoline qui dit ta gueule, n'avance pas plus loin. Oh, disciple of the dark sun, if up there. On prête serment. Very well. T'es prêt à avoir un succès en plus? Souvenir de Presiditis. Allez, succès, fonctionne. Parfait, succès fait. Prière de demoiselle, à obtenir tous les miracles. 6% des gens l'ont fait. Tiens, je me demande combien de gens ont fini le jeu. Ok. 5% et demi. C'est pas beaucoup. Voilà, un succès en moins à faire. 5% et demi? Ouais. Sur Elden Ring, c'est 9, plutôt 10% quasiment. On est aux alentours des 10%. Là, on est aux alentours de 5,5. Tu vois la progression. Là, c'est, on est à 5,5. Pourquoi? Parce qu'il faut. Je sais pas si je te l'ai montré. Non. Hop, 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 hop. Tu vois là, ces armes? Feu, chaos, brut, cristal. Toutes ces armes-là, c'est un succès. En fait, les armes, tu peux les améliorer. Un peu comme sur Elden Ring. Tu vas voir le forgeron et contre un truc, il t'augmente ton arme de plus 1, donc il augmente ses stats. Sur Dark Souls, c'est différent. Parce qu'arriver à plus 10, normalement sur le Elden Ring, c'est fini. Tu peux pas l'améliorer. Et bah sur Dark Souls, une fois qu'elle arrive en plus 10 et que t'as une braise pour, tu peux la passer en arme de feu par exemple. Et une fois que tu la passes en arme de feu, bah tu es en niveau 1 et tu peux remonter jusqu'au niveau 10. Et du coup, elle fait encore plus de dégâts. Mais c'est quoi là le prochain? Le prochain, prochain succès, ça va être celui d'avoir toute la pyromancie. Il manque un truc à faire et il faut que j'aille tuer le foyer du chaos. Pas le boss le plus compliqué, mais son chemin est un peu horrible. Ensuite, j'ai le prochain succès, c'est celui d'avoir toutes les magies. D'ailleurs, c'est libérer Logan. Il faut pas que j'avance trop loin. Pourquoi? Parce que si je mets le calice, en fait, c'est des étapes. C'est la solution, je te dis. Il y a telle étape, il faut pas dépasser. Si tu dépasses telle étape, le PNJ meurt. Ou alors le PNJ va à telle zone. Si tu libères pas avant que t'ailles là, il meurt, il disparaît. Du coup, j'ai obligé de refaire une run. Horrible. Et là, Logan, d'ailleurs, j'avais complètement oublié. Logan, pour l'avoir, il est à. Comment ça s'appelle? Il est à la forteresse de Seine, donc l'étape juste avant. À Norlondo, là où je suis. Et il est caché. Je vais te montrer. Parce qu'il va être sur le chemin. Et du coup, je vais pouvoir faire deux succès d'un coup. Et du coup, ouais, là, il me reste 4 succès. Plus un 5. Donc le cinquième, on peut l'enlever parce que je vais aller le faire. Les deux autres, enfin les 4 autres, c'est un, il faut récupérer toutes les armes rares. Il y a 50 armes rares dans le jeu. Et la plupart du temps, c'est... tu vas... à tel endroit, tu ramasses encore une arme et tout. Et après, t'as les armes de boss. Tu vas me dire, c'est logique. Tu vas avoir toutes les armes de boss. Il y a un boss, il a 3 armes différentes, donc il faut le tuer 3 fois. Et pour le tuer 3 fois, c'est 3 runs. Donc 6, je suis obligé de le tuer 3 fois. Et tu l'as. Une fois que tu l'as tué, bah c'est parfait. Et en plus, les armes de boss sont chiantes à faire. Faut augmenter un truc en plus 10. Aller voir tel forgeron à Norlondo. Ils disent, oh ok cool, je te le fais. Et bam, tu l'as. C'est horrible. Donc. Salut connard, ramène-moi là-bas. Forteresse de Seine. Parfait.
Et là j'ai pas le TP, c'est pour ça que c'est long. Si j'aurais le TP, ça m'a pris 30 secondes. Non. Pouk. Et voilà, comment tuer un PNJ en 2 petites secondes. Hop. Tu vas trouver difficile le jeu ou pas? Dark Souls? En vrai, quand t'as fini Elden Ring 4 fois, il est dur, mais on va dire qu'il est plutôt exigeant. C'est que il va pas être difficile du style oh j'y arrive pas, le boss me tue en boucle et tout, non. Ça va être plutôt surtout de l'appréhension. Tu connais pas la map. Hop, toi tu dégages. C'est trop drôle de tuer les PNJ comme ça. Là tu vas où? Alors là je vais sauver un PNJ qui s'appelle Logan. Logan est un maître de la magie. Enfin, c'est comme ça qu'il se présente. Un maître absolument fou de savoir. Donc de la magie. Alors dans le jeu ça s'appelle la sorcellerie. Il y a 3 magies différentes. Un peu comme dans Elden Ring, il y a 3 magies différentes. Sauf que dans Elden Ring, il y en a beaucoup plus. Là, dans Dark Souls, il y a la pyromancie, donc les boules de feu, tout ça. Il y a aussi... Donc après la pyromancie... Merde, c'est pas du bon côté. Après la pyromancie, tu as tout ce qui est miracle. Tout ce qui est guérison, foudre. Parce que pyromancie, il n'y a pas 10 000 trucs, c'est feu-poison, voilà. Alors, poison, on cherche pas... C'est grâce au lore, ils ont expliqué que machin, il peut faire ça parce qu'il est intelligent et tout. C'est des conneries. Il fait ça parce qu'il peut faire ça, c'est tout. Et à la fin, tu as... comment ça s'appelle? Tu as les miracles, la sorcellerie, la pyromancie. La sorcellerie, c'est la magie... c'est une sorte de magie d'arcane. Ils appellent ça la magie des âmes. Parce que avec la magie des âmes tu peux le faire. Tu vois Logan il est là-bas en prison. Il est juste là. Non non non. Ouf. Quoi? Il a failli me buter le. Oh hello, I'll be along later. Ouais. Il a failli le buter. J'aurais ragé là. Ah non, j'aurais fait un truc de cheat pour le faire hip hop. Mais bon, bref. Donc, t'as les magies, tout ça. Et à l'instar des magies, bon, bien sûr, t'as la force. Du coup, voilà, t'as 2 trucs, la force et la magie. Hop, toi tu dégages. J'adore dégager les PNJ comme ça. C'est tellement plus fun. Et là du coup tu vas Là je retourne au spawn, donc à l'Ichefeu. Parce que à l'Ichefeu, j'ai donc le mec que je viens de libérer mais attends. En fait c'est très subtil ce jeu. Il faut exactement lire tous les dialogues et comprendre tout ce qu'ils disent. Et déjà même pour la traduction c'est horrible parce que parfois la traduction c'est planté. Par exemple, il y a littéralement la traduction de t'as une meuf, bah tiens, Quelana, celle que j'ai libérée là. Elle te dit ouais je suis coincé ici depuis 100 ans. Quand tu passes le jeu en anglais elle dit I'm blocking is here for 1000 years. Ok, en fait elle aurait été là depuis 1000 ans. Donc tu apprends que l'âge du feu, donc au moment où Gwen part maintenir le feu, donc là où il est, là où il meurt, bah, ça, il se passe 1000 ans entre le moment où le feu s'éteint, du coup il y va. Et aujourd'hui. Le feu, ça fait quoi? Le feu, c'est un peu toute la... C'est tout le... C'est comme la rune de la mort dans Elden Ring. Ouais, c'est un peu comme les runes. C'est tout ce qui est plus important dans le jeu.
En fait, le feu permet au... Si j'ai bien compris le lore, avant, il n'y avait rien, à part les dragons. Et un jour, le feu s'est allumé, et il a apporté les humains. Et du coup, et en même temps que ça, le feu a donné des âmes de seigneur à certains, à quatre bonhommes, enfin à cinq bonhommes. Et il a donné une... Donc, il est là, Logan. Alors, info. La masse d'âme chercheuse cristal. Il me la vend pas. Ah non. Lance d'âme en cristalline. Pourquoi il me les vend pas? Ah, parce que faut que j'aille voir Sith. Sif. Non, mon dieu, c'est pas ça quand même. Logan. Ouais, du coup, en fait, ça. Il y a certaines personnes qui ont eu des âmes spéciales, et ces âmes leur permettent de faire des trucs. Lorsque vous aurez déposé le calice royal à l'hôtel de Lichefeu, Logan quittera le sanctuaire, sans nos archives du duc. D'accord. Et en fait, ces personnages ont plus de... ont quelque chose en plus. Ce qui leur permet Ah, de... je t'écoute. Ouais, bah, je t'explique. En fait, je suis juste en train de réfléchir. Bouclier en cristalline, c'est plus tard. Souffle du dragon blanc, c'est plus tard. Lance d'âme en cristalline, c'est plus tard. Et masse d'âme chercheuse en cristalline, c'est plus tard. Donc, retour à Norlando. Quoique non. Tu t'arrêtes là? Je sais pas. Parce que là, ce qui... Non, je retourne à Norlando et j'arrêterai là. Parce qu'il me manque là, faut que j'aille tuer le foyer du chaos pour avoir mon dernier sort de pyromancie. Donc à peu près une heure de gameplay. Ça, c'est tellement loin, j'ai pas envie d'y aller comme ça à pied. Je vais aller à Norlando, tuer les boss. Donc je me mets devant les boss et j'arrête. Je tue les boss. Parce que de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? Sur les trois bonhommes qui me restent à buter, il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien de spécial. J'ai juste pas le droit de me foirer. J'ai fait les miracles aujourd'hui. Demain, je vais sûrement faire la pyromancie et la magie. Ça va être très rapide. Et sûrement même demain après-midi. Je sais pas combien de temps j'aurai demain après-midi. Si demain après-midi j'ai 4 heures, c'est large assez pour finir le jeu. Je pense pas, mais non, parce qu'on dirait. Ouais, après je sais pas. Parce que en plus de ça, faut que je retourne au spawn, enfin au début du jeu. Pour tuer un boss, et après, quand tu vois, je serai au foyer du chaos. Il y a une salle juste avant le foyer du chaos qui te permet d'avoir une tablette en cristal, tablette rouge, tablette de titanite rouge, et c'est le seul truc qui manque pour finir le jeu. Une fois que j'aurai ces deux trucs, le jeu est fini, et je serai heureux parce que je pourrais commencer Dark Souls 2. Parce que Dark Souls 2 est plus simple, enfin plus simple, non, est plus dur, beaucoup plus dur. Comme le disait Gros Lardon en sueur, Dark Souls 2 c'est surtout les bugs qui font un peu chier. Après il y a plein de boss. Puis voilà. Par contre, ça m'étonne qu'à 2 h du matin, il y avait encore à 1 h du mat, il y a encore des gens. Bon, c'est sympa de savoir ça.
Donc là c'est un mimique, on n'y touche pas. Quand même ça m'intrigue. Là il y a quoi, personne sur live quasiment, deux followers. Et tu vois, la dernière fois que j'ai fait un gros stream, c'est de 6h. J'ai atteint 8 personnes pendant au moins 1h30. Pas un follow. Enfin, 6 toi, mais c'est tout. Non, en fait, je m'étais désabonné. Oh le bâtard. Juste pour dire, oh regardez, j'ai follow. Bon, en vrai, tu vas me dire, c'est pas cool. Putain, c'est dommage que Etienne n'y a pas le DLC parce que. J'ai la flemme de faire le DLC tout seul. Si tu veux, je le ferai avec toi. Ils sont super chauds. À ce point-là. Ils coûtent combien les DLC? En plus, il y en a plusieurs. Hein. Bah, 5 balles chaque map. 5 balles chaque map. C'est abusé. Oui. Ils sont abusés. Y'a pas un season pass ou un truc qui est un bundle ou tout? J'ai peur que non. La plupart du temps, les bundles sont moins chers. Ah ouais? Ouais. Putain, je suis con, j'ai le raccourci et. Bon, d'accord. Ah, mais c'est un raccourci pour le retour. Et du coup, ouais, pour retourner sur ta question, non, il est pas plus dur le jeu. Si tu commences Dark Souls et après Elden Ring, tu le trouveras plus dur qu'Elden Ring. Mais si t'as déjà des compétences Elden Ring et que t'invoques. Parce que le jeu a été pensé pour invoquer les bonhommes. Faut pas faire le jeu tout seul. C'est impossible. Enfin, c'est pas impossible. C'est faisable, mais c'est super chiant. Si tu peux invoquer des mecs, ou si tu galères contre un boss, invoque des gens. Ou les PNJ si tu peux. Le mieux c'est les PNJ. Parce que les PNJ sont en fait sont build pour les boss à chaque fois. Et du coup sont très très puissants. C'est comme dans Elden Ring quoi. Tout à fait. C'est comme dans Elden Ring. Mais dans Elden Ring. Non, j'ai toujours pas fini Nelsox. Tu croiras jamais ça, Nelsox. Combien j'ai eu de followers là maintenant? D'ailleurs, mon chat bug. Il montre un spectateur à chaque fois, mais il n'y en avait pas un, il y en a plusieurs. 3, non, presque 2. Et ça c'est bien. Et d'ailleurs en plus j'ai réussi à faire un succès. Mais là je vais bientôt m'arrêter. J'arrive à Norlando, enfin j'arrive devant la salle des boss et j'arrête. Après c'est trop long. Et c'est qui Glaise? C'est quoi ça Glaise? Le mec en abrégé? Je vois pas de mec en abrégé. Ah oui Glaise, toi tu le vois en abrégé. C'est gros lardon en sueur. C'est le follower. L'un des deux followers. Voilà, vache. C'est passé, laissez passer. Merci. J'ai oublié qu'il pouvait me toucher.
Alors là, tu vois là que c'est un passage un peu horrible. Parce que la caméra fait des siennes. Et les mobs qui sont là, quand ils te tapent. Voilà, ils te font reculer énormément. Tu connais pas quoi? Tu connais pas quoi? Tu connais pas le mec? Logique, tu vas me dire. Ah, alors elle était bien la vidéo? Ah punaise, mais elle a duré longtemps. Ouais, 30 minutes. Bon, ça va, c'est correct. Bon, c'est bien, t'as appris des trucs historiques, lol. Ah, j'ai toujours les cuissons végétales, mais quel con. Ça m'étonne que je me fais pulvériser. Voilà, les cuissons plus 4. Oh là là, les monstres de DLC, ils sont tellement casse-couilles. De quoi? C'est quoi les succès des DLC? Ah, les monstres. Bah, c'est finir la map, tout simplement. Avec toutes les tours de force. Bordel. Ah mais voilà, mais oui, ils détruisent tout. Il peut toujours crever. Il a fait des choses si horribles que ça. Je n'aurais même pas imaginé. What the fuck? Il y a un connard, il est là normalement. Non, oh la vache, mais quel con. Est-ce mais en vrai on voit où il a appris. Il a appris ça où? Enfin je sais pas si tu peux le dire mais vas-y. D'accord. En fait, c'est juste le début qui est intéressant, après le reste, c'est un peu de la merde et on connaît. Tiens, ça, tu vois, c'est le mob que Étienne aimerait trop. C'est quoi? Un mob où il faut que tu le tues en premier, parce que sinon, en fait, il va juste doper tout le monde. Une puissance énorme et du coup tu peux rien faire. Ah, un bard. Ça s'appelle des augmenteurs. Les augmenteurs, c'est simple, ils augmentent la vie et les dégâts des monstres. Ils sont tout petits. Ah bon? Oui. Oh, c'est fun? Non, c'est pas fun. Oh putain, c'est comme ça là, il y a des soigneurs. Bah voilà, et Nazox, tu loupes un truc. Il faut acheter les DLC. Trop chiant. Y a pas de feu ici. Qu'est-ce qu'il raconte, c'est con. Ah ouais, mais ça m'empêcherait de faire des milliers d'allers-retours, c'est pas con.
Ouais, c'est pas ce que je voulais faire. En plus, juste le problème, c'est qu'il coûte trop cher les DLC. 5 balles à chaque fois. 5 balles, il y en a 6. De quoi? 30 euros. 30 euros? Oh, mais c'est abusé, c'est plus cher que le jeu. Ça s'appelle des DLC. C'est incompréhensible. Mais tu peux ne pas les avoir pour jouer. Hein. Ah oui, oui. Pourquoi par exemple, là, Nelzox, il a platiné le jeu, il est fini? Bah là, il a bientôt, on a bientôt fini. Le problème, c'est qu'en fait, il manque des gens. Non, c'est moins, il y a les skins. Ouais, c'est aussi les skins qui comptent. Ils comptent pas parce qu'ils servent à rien. Non, mais le problème du skin, c'est que tu peux pas l'avoir. Enfin, tu peux pas le. Dire non, je n'ai pas envie de l'avoir. Ah, ouais, dans le bundle. Oui, sinon, ça revient plus cher si t'achètes tout un par un. Après, faut faire le calcul. Je pense que c'est tout simple. Le mécanisme ne bouge pas, merde. Bon. Là-bas, rien du tout. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au cac du soldat et je vais essayer de le taper. Oh ouais, putain, le jeu est codé à la pisse. Ok. Ah. Bon, je m'arrête là parce que sinon je vais péter un câble. XD le rage kit. Alors attends, je vais faire un raid chez quelqu'un. Chez qui je peux faire un raid? Alors je cherche, attends un peu. Oui Dark Souls, je veux que tu t'éteignes. Je vais faire Bob Lennon. Y'a Bob Lennon? En vrai s'il y a Bob, let's go. Je vais déranger Bob pour ça, sérieux. Bah tellement. Hein. J'ai d'être moche. Oh bah non. Parce que malheureusement tu ne peux non, pas le mettre d'escalier en plus. D'accord, bon tant pis. Allez, à plus tout le monde, je lance le raid. Putain, il est con. Il va lancer vraiment le raid. J'ai Bob, oh non. Bah ouais.